Ah, c'est bon. Ok. Sur Périscope, c'est bon, a priori, je suis présent. On était sur le live de le Lolo, mais non, fais pas le live de Lolo, je suis désolé. Non, ça marche pas, ça. C'est la plus mauvaise excuse du monde. Bonjour Gabin, bonjour Loïc. Ah, c'est bon, enfin. Bonsoir, voilà. J'arrive pas à le prononcer, hein, faut pas m'en vouloir. Hein. Bon, alors, donc YouTube, ça a l'air d'être bon. Periscope, ensuite Facebook, je ne sais pas s'il y a du monde, a priori. Je dois être en live quand même. Enfin, nous devons être là. Oui, c'est bon, il y a du monde. Ok. Oui, c'est bien d'être fidèle, c'est très important dans la vie. Bon. Alors, bah, faut dire que 3W dans un nom, bon, c'est humoristique, on va dire. Hein. Bonjour, ça ne dit rien. Oh, faut pas m'appeler le professeur, ça c'est réservé à Sylvain Perronnet, il aime bien les titres. Moi, je déteste. Donc, eh bien, écoutez, ceux qui n'étaient pas là au début pourront reprendre le live en différé après coup. On va honorer ceux qui sont là dès le début et on va y aller. Alors, aujourd'hui, on va parler des cocons tels que vous représentez en grande partie qu'ils existent. À savoir que plutôt que une structure circulaire, comme on a vu la fois dernière, on va partir sur une structure qui apparemment pourrait être vue comme hiérarchique, mais qui ne l'est pas. Alors, pour ce faire, on a fait un algo qui permet de mimer une structure avec père, mère, sœur, père, etc., qui a repris le motif de base, qui a ajouté quelques liens dedans pour que ça soit, bonsoir Sandrine, pour que ça soit plus pertinent, on va dire, d'un point de vue. Mais la différence est énorme au niveau de la manière de décider quelle page va y être liée à quelle page. Et c'est là toute la différence entre les cocons que nous faisons et les cocons que vous pouvez faire vous ou ailleurs. C'est qu'en fait, vous n'allez pas vous choisir l'arborescence ou les liens entre les pages. C'est le logiciel, en fonction de vos sujets, j'ai bien dit vos sujets, j'ai pas dit votre thématique, vont choisir quels autres sujets sont appelés à pouvoir se mailler et s'appeler mutuellement. Donc, la structure, conformément au billet qu'on avait fait en 2016, en janvier 2016 quand même, justement sur un projet de cocon pour Laurent qui portait sur le VTT, sur mon blog, on a effectivement les liens sémantiques entre les sujets et la capacité pour le surfeur raisonnable de Google de se projeter d'une page à l'autre, d'un paragraphe à un autre paragraphe, j'ai bien un paragraphe d'une page A vers un autre paragraphe de la page B, c'est ce lien sémantique qui va permettre de générer la structure. C'est-à-dire que le cocon va être généré dans tous les cas pour essayer d'obtenir la plus grande performance possible au niveau des prédictions. Donc, c'est elle qui va décider. Ce n'est pas une arborescence, ce n'est pas un classement, ce n'est pas parce qu'un endroit, vous allez parler, on va le voir tout à l'heure, je fais un projet sur le camping, caravane, mobile home, etc., vacances, etc. Et ce n'est pas parce qu'on est dans le Var, par exemple, que forcément une ville du Var va être à l'intérieur d'une branche du Var. Pas forcément. Ce qu'il faut voir, c'est que les liens entre les pages n'ont rien de hiérarchique. Faut pas confondre le maillage, qui est le fait de faire un lien dans le texte, avec un classement. Le classement peut éventuellement pourrait être donné par le menu, pourrait être donné par des choses comme ça. Mais c'est ou par l'URL peut-être. Moi je mets tout à plat, mais chacun fait comme il veut. C'est vraiment un distinguo important. Vous ne devez pas voir dans la pseudo hiérarchie une hiérarchie. Il n'y en a pas. C'est simplement qu'il y a un ensemble de pages qui relient d'autres pages et c'est tout. C'est comme dans Wikipédia. Vous prenez Wikipédia, vous avez des liens dans le texte qui vous mènent à une autre page. Je ne sais pas qu'une page est la mère de l'autre ou le père de l'autre.
On a essayé de reproduire effectivement la façon dont sont faits les nœuds et relier les nœuds lorsqu'effectivement il y a des paires mères, etc. Mais en réalité, c'est fictif, c'est-à-dire que ce n'est qu'une arborescence apparente. Voilà, donc en fait, on a repris la structure de maillage qu'on a projetée sur la sémantique. Ça, c'est pour effectivement ceux qui aiment bien les cocons, mais forcément, on a débordé, on a fait plein d'autres choses, on a fait les cœurs de cocons, ensuite on a fait les cocons multitêtes. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On a un outil qui permet de le faire, donc on va illustrer tout ça avec Cocon SE. Sachant que j'ai noté quelques petites choses importantes. Effectivement, vous ne pouvez pas déplacer une page, vous pouvez par contre ne pas vouloir la voir. Hein. L'avantage qu'a le système, c'est que vous mettez tous les sujets qui vous passent par la tête, vous les balancez dans l'outil, vous dites, moi je veux que ce soit cette page-là qui soit poussée, l'outil se débrouille. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt bien. On n'a pas à se préoccuper de où mettre quoi. Tout le système vous génère un mind map, vous génère un squelette HTML. Vous avez tout en main, il n'y a plus qu'à travailler. Alors, je vais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque j'ai quand même calculé 900 métamours rien que pour aujourd'hui, on va faire la différence entre ce qu'on appelle les cocons et les cœurs de cocons. Quand vous prenez 40 pages, admettons, bonjour les câlins, Micha, et bonjour Céline France aussi. Bonjour Cédric, bon, j'arrive à parler. Vous avez 40 pages que vous allez mettre, vous allez faire un cocon. Bon, éventuellement, si vous n'avez que ça, vous aurez peut-être du mal à trouver où mettre telle ou telle page. Bon. Oui, alors là, en espagnol, ça ne va pas le faire, par contre. Hein. Moi, pas parler espagnol. Le problème, il est que, au fond, si on essaye de tirer une force sémantique, on va se retrouver avec des pages qui sont mises là parce qu'on les a, on ne sait pas trop où les mettre. Donc souvent, ce qu'on faisait avant dans le temps, et ce qu'on fait encore aujourd'hui, mais c'est disponible directement en SAS, c'est qu'on prenait beaucoup plus de sujets, par exemple une centaine, et on va calculer dans ces 100 les 40 qui vont le mieux ensemble. C'est-à-dire que, au fond, tant pis s'il y en a 60 qui restent sur le carreau. On prend les 40 meilleurs, les 40 qui ensemble fonctionnent le mieux en fonction des buts que l'on a à poursuivre. Bon. Partant de là, moyennant un certain travail, on a pu diminuer la quantité de métamots entre guillemets jetables ou jetés. Et aujourd'hui, on peut arriver avec 60 métamots à faire un cocon de 45 pages très respectable, qui maille bien, qui n'a pas de perte, à condition bien entendu d'avoir des sujets qui ne sont pas aux antipodes, puisque ça va être difficile de lier, si vous faites un truc sur les œuvres de peinture de Léonard de Vinci, puis qu'ensuite, je ne sais pas, vous parlez de la variété française, ça va être un petit peu dur de trouver une relation, n'est-ce pas? Bon, non, non, je n'ai rien contre les gens qui parlent en français, qui chantent en français, pardon. Donc là, bonsoir Loïc. Ah, Loïc Richard. Donc, la différence va être là, c'est-à-dire qu'on se donne plus de billes, plus de moyens, et on va choisir le cœur au sens de, comme le cœur de salade, le truc qui est vraiment le mieux dans le paquet. D'accord? Le multitête est d'une certaine manière un ensemble de cœurs de cocon. On va leur ensemble toutes les pages dans le système, plein de pages. On va lui dire, voilà, moi j'en ai mis 900, 900. Je vais lui dire, j'ai 300 pages que je veux utiliser parce que j'ai du courage pour écrire 300 pages. J'ai 4 pages à pousser, mais je ne sais pas où mettre quoi, ni comment, ni rien. Qu'est-ce que tu me proposes? Et là, on va voir comment on fait ça. C'est-à-dire que le système va faire 4 cocons. Il va se débrouiller pour dire telle page va aller telle là, telle autre page. Alors, sachant qu'on dit page, il y a indifféremment métamot, puisque on a au départ un sujet. À partir du sujet, on va calculer un métamot. Donc, on va du coup, une fois que le métamot est calculé, on va donner au nom, le nom du métamot va devenir le nom du sujet, en quelque sorte. Puisqu'on a le métamot, donc on va lui donner son petit nom. Et ensuite, que l'on a le métamot et qu'on passe à la rédaction, bah forcément le métamot devient une page. C'est-à-dire on va insérer le métamot dedans. Alors ce sont des abus de langage, ok, mais enfin on se comprend bien.
À la fin, vous avez un métamot égale une page, et au début, vous avez un sujet. OK? Donc, dans l'idée, je ne me suis pas posé de questions. J'ai mis dans. Alors, j'ai fait un Eureka rapide parce qu'en Eureka normal, je me retrouvais, je crois, rien qu'avec le mot vacances, avec 5 900 sujets. J'avais la flemme de choisir. Donc, je suis fait. Non, un Eureka normal. En Eureka plus lent, on va dire, plus moins. Pas plus lent, plus condensé, l'Eureka rapide. Donc, là, j'ai réussi à avoir en tout 900 sujets sur 4 mots. J'ai choisi un premier mot qui s'appelle vacances, un deuxième qui s'appelle camping, un troisième qui s'appelle mobilhome, et un troisième, pardon, mobilhome, et un quatrième, camping, vacances, mobilhome, caravane. Voilà. J'ai mis tout ça dans Concoursol, j'ai tout mouliné, et je veux pousser derrière, on le verra ensemble, vacances en camping. Vacances au camping dans le Var, vacances au camping en Bretagne et vacances au camping en Vendée, je crois. Voilà. Le maillage en tournante fait automatiquement la séparation, puisqu'on a vu la semaine dernière qu'on avait des pages qui se mettaient de côté, et par définition, il évite les sujets qu'il ne peut pas mettre. Il n'y a rien qui est dû au hasard, hein. Tout est calculé, c'est-à-dire que la tournante, s'il n'y avait que l'aspect mathématique à résoudre, ça serait facile. Malheureusement, il n'y a pas que l'aspect mathématique au niveau de dire je fais des chemins. Le problème, c'est qu'il faut que les chemins aient du sens. Et c'est là où ça se complique, c'est-à-dire arriver à faire un ensemble sur plein de pages totalement prédictif, de façon à ce que chaque lien ait un sens et qu'on arrive malgré tout à faire un certain nombre de parcours qui ne se coupent jamais, là ça devient coton, et c'est pour ça que je disais la fois dernière, ce n'est pas possible de le faire manuellement, parce qu'on devient dingue, tout simplement. Même moi, quand j'ai fait l'algo, c'est un truc de fou, quoi. Donc l'avantage qu'une machine, une fois qu'on l'a résolue pour n, on peut le faire pour n plus 1, pour n plus 2, etc. Et donc le tout, c'est de trouver la façon de s'y prendre au départ. D'accord? Donc effectivement, la tournante, par définition, vous pouvez éventuellement vous dire, bah tiens, on verra peut-être tout à l'heure. On peut éventuellement chercher quelles sont les pages qui vont bien ensemble. Par exemple, trouver quel est un cluster dominant dans l'ensemble de pages et ne garder que ces pages-là. Bon. Cela étant, tout le système de CoConvenseur repose sur Metamo, sur une proximité évidente, moyennant le fait que votre sujet ait été bien calibré, c'est-à-dire qu'il soit en rapport avec ce que vous avez à dire, qu'il soit en rapport, les pages aient du rapport les uns avec les autres. Vous ne pouvez pas avoir un sujet qui tombe du ciel et qui viendrait comme par hasard, comme par magie, pouvoir être incrusté dans votre cocon, dans votre maillage. Voilà. Alors, après, il y a la façon dont vous allez formuler votre sujet. Vous avez des sujets qui sont difficiles à formuler pour trouver le bon métamot, pour trouver la façon d'être sûr que Google vous comprend. Mais dès lors que vous avez un ensemble de sujets où c'est clair pour l'humain, vous regardez le métamot, il n'y a pas d'ambiguïté, toutes les lexiques sont déterminantes, et que ce que vous voulez dire, c'est vraiment ce qui est dans le métamot, c'est-à-dire qu'en fait, ça match. Là, c'est devant, tout est permis. Alors, là, en l'espèce, je réponds à Gamma, si on rajoute les 4 sujets à pousser aux 900 métamots donnés par Eureka, si j'ai bien compris. Alors, en l'espèce, oui, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'avais 4 sujets au départ, et j'ai ajouté 4 mots qui vont servir de racine, on va dire, à Eureka, pour qu'il me sorte les sujets. Je n'ai même pas regardé les sujets. C'est-à-dire que je sais qu'avec Caravan, il va me sortir des trucs. Avec Vacances, il va me sortir des trucs. Et je me fous des sujets à ce stade-là. Bien entendu que si j'avais un vrai site, j'aurais peut-être été lagué un peu. Mais je sais que le logiciel ne va pas faire n'importe quoi. Donc les sujets qui n'ont rien à voir, il va me les virer. Normalement, il n'y a pas de marque qui ressorte. Donc il y a relativement peu de chances qu'un sujet aille parler d'un de vos confrères, par exemple. Il y a très peu de chances. Donc là, effectivement, s'il y en a, vous regardez quand même, vous les enlevez, mais le reste, vous pouvez le mettre en toute quiétude. Le logiciel va mailler ce qui est relativement normal. Et plus vous avez de métamots dans votre corbeille, plus il fera un maillage intelligent. OK?
C'est les réponses Eureka. Alors là, qui nous ont donné les sujets. Là, en l'espèce, oui, mais vous pouvez taper vos propres sujets. C'est pas défendu. Hein? C'est Santiago qui demande, est-ce que ce sont les réponses Eureka qui nous donnent les métamots? Alors, les métamots en eux-mêmes sont calculés à part, mais ce sont les sujets trouvés par Eureka, oui. Ensuite, j'ai calculé ces sujets-là pour avoir leurs métamots. En fait, vous pouvez voir les sujets compris par Google le métamot, et ensuite compris par l'humain la page. Hein, ok? Mais évidemment, au départ, c'est pour... Quand vous avez la flemme, vous rentrez tout en machine et ça sort. Bon. Alors, les pages à pousser, vacances en camping, vacances en camping dans le Var, on a fait la même chose pour la Vendée et puis pour la Bretagne, je crois. Voilà. Enfin, à la limite, on met ce qu'on veut. Hein. Okay. Ce sont les quatre têtes que j'ai rentrées. Donc, on va y aller. Alors, au départ, je vais vous montrer déjà comment faire un cocon normal. Alors, ça sera forcément un cœur de cocon en l'espèce, puisque je suis parti de 900 métamots. Donc, partant de 900 métamots, nécessairement, j'ai plus de sujets qu'il n'en faut. Sauf si je décide de faire 900 pages. On est bien d'accord. Mais si je décide d'en avoir que 100, deviendra un cœur de cocon, puisque je prendrai les 100 meilleurs, les 100 qui vont le mieux ensemble. Donc, on va y aller. Hop, je suis par là. Donc, là, j'ai toute ma liste de métamots. Il y en a une tartine. Certains, alors je réponds à une question qui revient souvent. Il se peut que dans la colonne de gauche ici, il manque des métamots. C'est parce qu'en fait, vous avez calculé des sujets qui n'ont rien à voir avec les autres. Donc, les sujets, le système les évacue d'office. Parce qu'on ne peut rien en faire. Donc, on ne vous les met pas. Alors, ce serait intéressant que tu nous parles de la méthode pour rédiger les 40 pages. Mais... Oui, ça c'est prévu. C'est prévu, c'est prévu. Oui, on va bien entendu parler de rédaction, de la manière de donner. Il y en a des choses à dire, hein. Alors, donc Gabin, pas d'inquiétude, tu sauras comment rédiger, tu sauras comment choisir ton rédacteur, tu sauras dire aussi si ton rédacteur ne vaut rien ou pas, ou vaut quelque chose, etc., etc. Tout ça, c'est prévu. De toute façon, l'idée, c'est vraiment, et même au-delà de l'outil qui est sur CocorSE, de vous donner des billes en sémantique d'une manière générale pour que vous sachiez appréhender. Vous avez vu que Google, quand même, après avoir légèrement sous-entendu que effectivement ça pouvait l'intéresser de regarder le contexte des liens, dans certains cas, du bout des lèvres, ils ont sorti ça, par la voix de, je crois, de Monsieur Muller, n'est-ce pas? Alors qu'en fait, ça fait juste 5 ans qu'ils le font, mais sans l'avoir jamais écrit ni dit nulle part. Et là, ils viennent nous sortir un truc comme quoi, ah, maintenant, ils allaient en granularité de lecture des pages, ils allaient descendre dans les paragraphes. Vous regarderez l'article qui est paru la semaine dernière dans Chez Abondance, et vous verrez qu'effectivement, le paragraphe devient aujourd'hui une entité sémantique à part entière, alors je vais dire reconnue par Google, parce qu'en fait, c'est déjà le cas. Et à ce titre, vous avez deux chroniques intéressantes que vous pouvez lire. Les deux sont dans le journal du web. Je vais bien pendant un temps et je le fais toujours écrire dans le journal du web, du net, pardon, excusez-moi, journal du net. Je suis un peu fatigué ce soir. Vous avez une qui s'appelle Donner à manger à l'IA de Google. Elle parle de comment écrire une histoire quand on va de paragraphe en paragraphe. En général, quand vous écrivez une page, vous allez du haut et vous descendez vers le bas. Mais on peut aussi écrire une histoire en parcourant les paragraphes, en sautant de lien en lien. Et on peut, si on a un esprit absolument énorme et qu'on sait ce qu'on veut dire, on peut s'amuser à cet exercice de fabriquer des pages, on va dire, transversales. C'est très amusant et effectivement, Google adore ça. Il se nourrit beaucoup de l'interaction qu'il y a dessus. Quand vous cliquez sur un lien, pour lui, ça a plus de signification que quand vous descendez l'ascenseur. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est un premier article que vous pouvez lire. Ça traite donc de ce qu'on appellerait l'écriture orthogonale. Et un deuxième qui s'appelle Qu'est-ce que l'écriture de qualité? Toujours sur le journal du net. Et là, je décortique nous ce qu'on a repéré dans ce que Google aimait ou n'aimait pas et lui permettait ou pas
Ça lui donnait des billes pour repérer qu'un texte était quali. Alors je parle même pas de la sémantique là, hein. Je parle de l'apparence du texte. Typiquement, un texte au kilomètre est repéré flagué, dès le départ. Si vous mettez tous en paragraphe, vous êtes flagué. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se sont fait dégager lors de Médic. Je fais un poc à la copine de Sandrine, uniquement parce qu'ils avaient des textes au kilomètre, dans des sujets qui n'avaient pas forcément d'image, et le fait de rajouter des images dedans et d'aérer un peu le texte, on sortait du filtre. Ça paraît dingue, mais parfois il suffit de ça. C'est pas toujours le cas, mais parfois ça suffit. Tout ça pour dire que l'apparence, le côté style de la page, est-ce que la police est lisible? Est-ce qu'elle est avec suffisamment de contraste? Est-ce qu'une personne malvoyante peut la lire? Est-ce que les paragraphes sont aérés? C'est-à-dire qu'on fait 3-4 lignes et on saute. Voilà. Est-ce que les interstices découlent du titre? Etc. 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 Et là, j'ai décrypté un certain nombre de points qui vous donnent les clés normalement, mais on y reviendra de toute façon, qui vous donnent les clés pour donner au moins sur la forme, au moins sur la forme, de quoi dire à Google, moi ma page, je la traite avec soin, elle est quali. Faut vous dire que les gens qui spamment le web ne s'encombrent pas de qualité. La qualité ne se retrouve pas dans la rédaction, elle ne se retrouve pas non plus dans la mise en forme. Qui irait faire de la mise en forme de qualité sur un texte qui ne vaut rien? En général, vu que c'est pas très cohérent, donc du coup, cette façon de détecter, l'un permet de détecter l'autre. Voilà. C'est un peu comme le gars qui laverait une voiture volée. Si vous voulez une voiture, vous la volez, c'est pas pour la nettoyer vous. Voilà, enfin, moi, je vole pas de voiture, mais dans l'idée, si vous voulez, on prend soin de ce qu'on a fait avec cœur, voilà, on met du soin dans la mise en forme et on met du soin dans la rédaction. Ça va avec. Et donc, dès lors que ça va avec, vous donnez des signaux à Google pour repérer si oui ou non vous avez créé un truc pour écrire un truc ou si au contraire vous avez mis vos tripes. Voilà. Donc, on va faire un premier cocon. Alors, on va choisir là-dedans. Je reviens à cocon. Ah, mais métamo, je vais choisir dans un premier temps, hop, alors pardon, hop, je remonte un peu, vacances, hop là, je remonte, vacances en Copica, vacances en Copica, vous le voyez là, ok. Donc là, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les paramètres, parce qu'il y a des tas de choses que vous pouvez régler, mais qui ne sont pas forcément utiles pour la présentation. Effectivement, vous pouvez ici choisir la largeur des branches, la profondeur, vous pouvez choisir l'algo. Moi, je me mets toujours sur Zeus, pour différentes raisons. C'est le maillage le plus équilibré est normalement fait par Zeus. C'est fait exprès d'ailleurs qu'on ne l'ait pas mis en premier choix, hein. Sur Zeus, ça marche bien à partir de 100 pages ou 80-100 pages, ça marchera très bien. Quand ils sont les tout petits cocons, style 20 pages, il vaut mieux utiliser Hyperion, hein, qui est celui par défaut. Donc là, je ne choisis aucun autre paramètre que Zeus. Bon, ben, j'ai choisi ma tête, je clique sur cocon automatique et on ferme mon cocon. Alors là, évidemment, je ne vais pas donner de limite. Il y a vu qu'ici, je n'ai pas précisé de taille. Donc, il va me faire tout ce qu'il peut. Alors, ça prend un petit peu de temps quand même. Alors, oui, Gabin, ça fait longtemps que je le dis. Je suis d'accord. Mais bon, quand c'est moi qui le dis, ça fait moins sûr que quand c'est quelqu'un de Google. Hein. Alors, ça calcule toujours. Mais ça va arriver. Patience, patience. Alors, je précise qu'effectivement, on pourrait ici préciser une taille. Voilà. Donc, il vous dit à la fin, il a calculé lui-même la largeur et la largeur des branches. C'est-à-dire, si on devait mimer un cocon, combien on aurait de pages de frères et sœurs, en gros, hein? Et ici, le nombre de niveaux. En réalité, vu qu'il y a 900 pages, il me trouvait quand même 7 niveaux de profondeur.
C'est un calcul auto, hein, donc faut pas, voilà, donc ça donne ce truc qui est énorme. Si on appuie ici et qu'on le spatialise un petit peu. Alors déjà une première chose qui doit vous sauter aux yeux, c'est que la puissance qui est obtenue au bout, là on en a 100 pages, la dernière fois on en avait 120 je crois, et on avait le même punch au bout, car effectivement le maillage circulaire, le maillage en tournant circulaire est beaucoup plus puissant que le cocon traditionnel. Mais bon, alors voyons voir, hop, allez, à moi il y a du monde, hein. Donc, spatialiser tout ça, ça va être un peu compliqué. Mais on va quand même s'obstiner. On reclique là. Je reclique de nouveau sur l'engrenage. J'enlève de nouveau le recouvrement. Bon, ben, on va avoir du mal à avoir un cocon comme ça. Somme toute, vous avez la possibilité d'exporter ici tout le squelette au format HTML. Vous avez les 900 pages, enfin, peut-être pas 900, mais enfin, en tout cas, 800, enfin, ce qu'il a pu faire, je ne sais pas. Et vous avez les pages, les recos pour 1000 mots, vous avez les liens qui sont dedans, les lexies à mettre à côté, etc. Et vous avez aussi un .mm où vous retrouvez ces mêmes conseils. Donc .mm, c'est un mind map au format FreeMind. Et vous avez dedans, dans les notes, vous avez à l'intérieur les recos d'écriture sur les lexies. Bon. Donc en fait, vous avez exactement les mêmes informations que ce soit l'un ou l'autre. OK? Et quand vous aurez enregistré, hein, vous, donc sauvegardez, là vous aurez l'accès au PDF. Mais le PDF n'est pas indispensable pour les cocons. D'accord? Si par contre, je décide de ne, je ne veux que 100 pages, donc je fais un vrai cœur de cocon, d'accord? Je recalcule de nouveau, j'ai toujours vacances au camping qui est sélectionné. Je recalcule ici, 100, j'ai toujours jeux, etc. Et là, je demande de me faire que 100 pages. Alors, il va peut-être s'arrêter à 105, peut-être à 101. Enfin, il va essayer. Dès qu'il est arrivé à 100, il s'arrête et il termine ce qu'il a commencé. Donc, du coup, ça peut faire un tout petit peu plus, c'est pas grave. Et là, effectivement, vous avez beaucoup moins de pages. Il a calculé lui-même en fonction de votre nombre de pages, en fonction de ce que vous aviez à lui donner. Il a calculé de lui-même la profondeur, la largeur, sans que vous preniez la tête sur le nombre de niveaux et autres. Il fait tout ça pour vous. D'accord? Je spatialise. Et là, c'est effectivement. On l'étend encore complètement. Ça, c'est les deux là. Hein, on n'arrête pas de s'en servir. Hein. Et hop. Hein. Alors, effectivement, il y a ce nuage de mots autour. Hein. On pourrait l'évacuer, puisque au bout d'un certain temps, il s'en va. Il faut le laisser partir, faut qu'il se rende compte qu'il n'a rien à faire là. Voilà, donc faut, c'est marrant, on pourrait mettre un peu de musique d'ailleurs. Où on les verrait danser ensemble. Allez, voilà. Donc en fait, ça va s'en aller. Et vous avez les différents. Alors on voit que déjà, la répartition est. Vous avez des différences qui ne sont pas. Là, vous avez un métabo qui est proche et pourtant un peu moins puissant, etc., etc. Il faut bien entendu, avant tout, que le cœur, lui, soit le plus puissant de tous. Ça, ce que vous avez vu là, avec les 900 métabos de base que j'ai, donc les sujets qui sont dedans, avec le fait que je veux faire 100 pages, compte tenu que je veux lier ce métabo-là et le pousser, lui, c'est ce que j'ai de meilleur. Il n'y a pas d'autre combinaison meilleure que celle-là. Là, cette fois-ci, je ne dis pas d'une heuristique. Il s'agit vraiment d'un calcul. D'accord? Je vous rappelle la différence entre une heuristique et un calcul. L'heuristique, on va supposer que telle solution est bonne et on va ensuite vérifier qu'elle n'est pas déconnante. C'est la façon dont procède Google pour casser les pages, pardon, dans Google. Où le numéro 1 n'est pas forcément le meilleur. C'est simplement un résultat qui normalement tient debout. Bon. Parfois, pas énormément, mais bon, c'est comme ça. C'est donc une façon très rapide de résoudre des problèmes qui nécessitent énormément de data. Alors, bonjour Philippe et bonjour Michael, excusez-moi, je ne vous ai pas vu arriver parce que je suis dans mon truc. Alors, Philippe. Alors, oui.
Michael qui dit test, ça fait le job pour un moment. Alors, Philippe, je découvre l'outil. Comment on applique les règles HTML calculées sur son WordPress? On verra ça. On doit traiter des exports HTML, de comment partir du mind map, comment partir de tout ça pour mettre ça sur le WordPress. Sachant que si tu as un WordPress avec des articles déjà écrits, je parle à Philippe, hein, la vidéo de la semaine dernière te montrera comment, à partir d'un blog dont les pages, dont les articles sont déjà écrits, comment on peut faire quelque chose de surpuissant sans avoir pas grand-chose à réécrire. Si par contre tu pars de zéro, ou si tu as déjà des articles qui sont maillés, un site qui est déjà maillé, que tu veux pousser et faire des pages supplémentaires, à ce moment-là tu fais un cocon, ou bien aussi un cocon circulaire. Mais dans tous les cas, tu as une solution pour les anciens articles. Alors, est-ce que l'option qui force toutes les pages à faire un lien vers les pages target est activée? J'ai rien compris. Oui, là, le fameux all-in. Oui, je pense que c'est ça, Gabin. C'est le all-in dont tu parles? Le son ne va pas à la vitesse de la lumière sur les réseaux sociaux. Voilà, bon, c'est oui. Donc là, effectivement, il n'y a rien à rajouter. Tout est dedans. Sachant que là aussi, même dans le maillage circulaire ou dans le cocon circulaire, les liens ne sont pas dus au hasard. C'est-à-dire que vous avez des pages qui n'auront pas de lien, qui ne feront pas de lien all-in, parce que simplement elles n'ont rien à voir avec la page qu'on veut pousser. Tout est calculé pour qu'on n'ait pas à faire des liens contre nature. À au delta près que si vos sujets sont mal formulés, qui ne veulent rien dire, ni pour Google, ni pour les internautes, c'est au petit bonheur la chance. Mais si vos sujets sont cohérents, un sujet, un verbe, un complément, bon, que c'est écrit en français, que vous n'utilisez pas des verbes qui sont en dehors de votre métier, il faut faire attention à ça. Enfin, vous formulez votre sujet normalement, vous ne faites pas un jeu de mots à l'intérieur. Enfin, des trucs qui sont compréhensibles. Là, vous obtiendrez un métamot qui tiendra debout. Et si, en gros, si vous donnez, je prends l'exemple d'un sujet mal formulé. Quel médecin choisir pour acheter mon pain? Eh bien, calculez le métamot de ça, il ne va rien comprendre. C'est ce que j'appelle un sujet mal formulé. Pourquoi? Parce que le médecin ne vend pas de pain, enfin a priori. Bon. Donc, effectivement, ce sujet ne donnera jamais un bon métamot. Jamais. Donc, en gros, le métamot est aussi un outil pour vérifier que le sujet tient debout. Alors là, j'ai pris un cas extrême. Mais il y a des cas aussi où le verbe, je me rappellerai toujours de quelqu'un qui me posait la question, comment prescrire une agence comment prescrire une agence de communication? Pas de bol, on ne prescrit pas une agence de communication. On prescrit un médicament, mais pas une agence de com. Et Google ne comprenait rien. Et moi non plus d'ailleurs, parce que les métamots sont calculés à part et sont ensuite checkés sur Google. Mais effectivement, parce que le verbe ne colle pas avec. Donc il faut faire attention à la formulation. De la même manière, si on met juste un mot, cheval, c'est pas un sujet. Désolé, c'est pas un sujet. On parle de quoi? D'un cheval vapeur? D'un vrai cheval? De l'histoire de l'équitation? On parle de quoi? On ne sait pas. Ce n'est pas un sujet, c'est trop flou, c'est trop vague. Et donc, effectivement, cette granularité et cette précision est obligatoire, puisqu'il va bien falloir à un moment mettre quelque chose dans la page. Et il ne faut pas que l'internaute soit déçu en cliquant sur le titre de la page, sinon il va vous en vouloir. Il faut l'emmener, il faut lui dire ce qu'il va trouver sur la page. Si ce qu'il va trouver sur la page est correctement formulé, il adhérera et signera. Regardez une chose. Prenez les pages d'Amazon, qui n'est pourtant pas un exemple aujourd'hui d'SEO, ça a été bien meilleur que ça dans le temps. Vous avez vu le nombre de fois où il rajoute acheter, offrir, découvrir. Il commence à mettre des verbes de partout dans les titles. Demandez-leur, le docteur Boulanger, oui, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que c'est docteur Pain pour autant. Parce que la relation boulanger et pain ne se fera que si on parle du métier de boulanger. Et le métier de boulanger est différent de la chaîne de magasins EFI et électroménager, boulanger. Petit test. Amusez-vous dans Google Suggest à taper boulanger. Ensuite, tapez devant le degré. Vous savez, le petit signe degré. S'il y a un magasin boulanger à côté de chez vous, il va sortir le magasin boulanger.
Sinon, il va vous sortir Google Adresse et les boulangers qui sont à côté de chez vous. Faites la petite expérience, c'est très drôle. Il y a des petites choses comme ça dans ce sujet qui sont très amusantes. OK? Alors, plus de 1000 articles, maillés manuellement. Le mieux est de faire un concours circulaire, oui, bien entendu. Un site déjà existant avec 1000 pages déjà écrites. Alors, à supposer, par contre, là, c'est le moment de revérifier ces titles. Faut pas oublier que Google va vous devoir valider que la page ne ment pas dans le title. Et c'est seulement au niveau du contenu, une fois qu'il a lu le contenu, il va regarder si c'est cohérent par rapport au title, qu'il va décider de positionner la page ou pas, en fonction de ce qu'il a par ailleurs. Mais s'il ne comprend pas la page, vous jouez au dé. Donc, si la page est ambiguë, si vous balancez juste un mot comme ça, sans aller trop loin, il ne va pas comprendre. Donc, voilà. Alors, on revient sur les cocons. Alors, le docteur Boulanger, je ne sais pas ce qu'il fait, hein, je ne connais pas, mais j'avais, moi, dans le temps, un boucher, enfin, un boulanger qui s'appelait Boucher. Bon, c'était pratique. Donc, voilà, ça, c'est un cocon normal, 200 pages, OK, sur lequel vous pouvez, bien entendu, récupérer toujours les pages HTML et le mind map. Maintenant, le plus intéressant, c'est le cocon multitête. Je supprime ça. OK, je ne veux plus rien là. On va mettre 0 comme ça. Il va obligatoirement recalculer. Alors, je reviens là. Alors, le cocon multitête, il faut aller le chercher. Hein. Il est fait pour les gens qui sont méritants. Donc, il faut cliquer ici. Alors, vous n'avez pas fini. Il va falloir choisir dans la page les quatre sujets, dans les cages à cocher. Que forcément, c'est un truc bien planqué. Vous direz merci à Sylvain au passage. C'est vrai que ça a été rajouté après coup, mais en même temps, c'est cohérent de le mettre séparément. Forcément, il descend. Il faut descendre tout en bas. C'est ma souris qui est sans molette entièrement. Au passage de la main au-dessus, enfin c'est un truc, faut avoir l'habitude. Hein. Alors, je cherche vacances, je vais y arriver. Je coche vacances en camping parce que c'est une des pages que je poussais. Ici, j'ai vacances au camping dans le Var, vacances au camping en Bretagne. Vacances au camping en Vendée. Je ne sais pas du tout, d'ailleurs, si j'ai suffisamment de sujets pour pousser l'un ou l'autre, puisque je n'ai pas rentré vacances Vendée, vacances Bretagne, vacances Var, dans Eureka. J'aurais peut-être pu, ou moi-même, me trouver des sujets là-dessus. Là, pour l'instant, je n'en sais rien. Je sais simplement que je veux pousser ces quatre pages-là. J'ai mis 900 pages en machine et je vais calculer. Bonjour Valérie. Replying to. Ça manque d'une petite search. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah oui, pour accéder directement. Oui, oh, bah, ça se fera. En pratique, t'inquiète pas, Gabin. Le temps que tu vas mettre à rédiger les pages, c'est pas le temps que tu vas passer dans Cocon un petit peu en plus, parce qu'il y a un ou deux trucs qui sont un peu compliqués. Ouais, je suis d'accord. Mais ça, c'est qu'une étape qui dure très peu de temps, donc en général. Alors le gag, c'est que ce cher Sylvain nous a collé le bouton pour calculer ici. Donc faut pas cliquer là-haut, faut cliquer là. C'est normal parce qu'en réalité c'est deux systèmes parallèles dans une même box. Donc on va calculer ici. Alors toujours je ne mets pas de limite. Oh si tiens, je vais mettre une limite. Moi je suis fainéant, je vais faire que 400 pages, ou même pas. Allez, 300. Hop. Je suis un grand fainéant. Je veux que le système me choisisse les 300 meilleures pages pour pousser les 4 que j'ai choisies là-bas en bas. OK? Donc c'est ici, je limite à 300. J'ai choisi Zeus. Alors pour la rapidement, Zeus va essayer de trouver latéralement et pseudo parent-enfant ce qu'il y a de plus proche. Les deux autres algorithmes procèdent un peu différemment. Il y en a un qui va chercher plutôt une proximité et une prédiction horizontalement et l'autre plutôt verticalement. Lui fait les deux. Donc c'est pour ça que je l'aime bien, parce que bon, il va trouver le meilleur des deux mondes. Je calcule mon cocon. Mes cocons. Donc, ça mouline un peu. Il y a quand même 900 pages au départ. Hein. Voilà.
Ici, je spatialise. Alors, je ne sais pas ce que vous avez comme carte graphique ou pas, que vous avez comme carte graphique chez vous sur votre PC. Moi, j'ai un truc normalement, bon, c'est pas un truc pour le jeu, mais enfin, c'est un truc avec 16 Go de RAM quand même, une carte ouais, qui envoie le bois, mais bon, après, c'est pas forcément optimisé pour JavaScript si vous voulez. Donc, on va voir se séparer les quatre cocons petit à petit. Il faut insister un peu sur voir. Si on exporte, on a les quatre mind maps, hein, vous rassurez-vous. Mais là, on va les voir se séparer. Visuellement, c'est plus sympa de le faire ici. Alors déjà, on va le voir parce que je l'ai fait un petit peu avant, que Vendée, il n'y a pas énormément de pages pour le pousser. C'est un peu malheureux, mais j'ai pas spécialement. Apparemment, quand on parle de camping, on pense pas forcément à la Vendée de façon immédiate. Bon, la Bretagne est plus recherchée, semble-t-il. Il y a plus de sujets sur la Bretagne. Enfin, en Bretagne. Bon. Alors après, on pourrait très bien dire de choisir de mettre Mobilhome hein, comme page à pousser. Sauf que Mobilhome tout court, ça ne le fait pas. Il faudra trouver un sujet bien formulé. Quelle est, par exemple, la meilleure destination ou le meilleur endroit pour mettre un Mobilhome, par exemple. Je dois voir ça dans les sujets. Hein. Donc voilà, là, il est séparés et si on continue un petit peu, on va les voir logiquement se séparer encore plus. C'est pour le plaisir visuel parce qu'en réalité, dans les mind maps, tout est fait pour vous et tout est séparé. Donc on voit, on a un premier cocon ici, on a un deuxième cocon là, on a un troisième là et un quatrième là. Ici, en faisant un rollover, on voit vacances au camping-car, en camping-car dans le Var, ça tombe bien, il est plus gros. Alors ici, il faut aller le trouver, c'est Vendée, c'est là. On voit qu'il n'a pas énormément de punch, qu'en fait, on n'a pu trouver en profondeur, mais qu'on n'a pas pu, donc en fait, on dérive, et on n'a pas pu trouver en largeur, donc du coup, il n'a pas énormément de puissance. Ici, on a vacances au camping tout court, et vacances au camping en Bretagne. Apparemment, on aime bien aller au camping en Bretagne. Donc, sachant que dedans, vous aurez aussi bien des pages qui parlent de mobilhome, peut-être. Vous voyez qu'ici, de toute façon, il a collé surtout les pages camping en général ou la Bretagne. Enfin, bon, pour autant, il va pas chercher à trouver quelles sont les villes. Bon, si vous en avez, il les trouvera. Si vous les mettez pas, il va pas le. Alors, vous pourrez les avoir par contre dans les métamots. Donc, voilà. Donc, on pourrait encore continuer à spatialiser, mais ça n'apporte pas grand-chose. Voilà. Donc, dans l'idée, là, entre les cœurs, oui, c'est normal. Pourquoi n'y a-t-il pas de lien entre les cœurs? Eh bien, parce qu'on n'en fait pas. C'est sur quatre cocons séparés. Dans l'idée, ça peut être quatre catégories d'un site e-commerce. Il n'y a pas forcément de lien. Il ne s'agit pas de faire ici un premier niveau de cocon. Il s'agit vraiment d'avoir quatre cocons. OK? Là où Gabin nous dit, j'aurais bien vu un lien entre les têtes de cocon. Oui, je suis d'accord, dans ce cas-là. Mais dans la plupart des cas, ici, on va avoir vêtements pour les filles, vêtements de mariage, chaussures, tu vois, bon, on ne sait pas. Donc, on ne va pas forcément avoir. On fait les cocons multi-têtes sont souvent utilisés pour pousser des catégories de sites e-commerce. Ou bien, on va s'en servir, on va parler de l'histoire de quelque chose au sens très large, l'histoire du coton par exemple, et on va parler de tous les vêtements de coton, en vêtements en coton qu'on vend dans sa boutique. Et donc du coup, le logiciel veut choisir tel sujet peut être utilisé dans tel cocon ou pas, mais il faut choisir les têtes, et les têtes n'ont pas forcément de relation entre elles. Si par exemple on parle de coton en pharmacie, en pharmaceutique, on voit pas, c'est pas le même coton que les vêtements en coton. D'ailleurs, parmi les sujets piégeux et les mots piégeux du web, regardez cachemire. Cachemire, vous avez le tissu et vous avez le pays. Et quand vous tapez cachemire sur Google, vous voyez bien qu'il ne sait pas de quoi vous voulez parler.
Il vous met la carte et il vous dit que c'est également un tissu, bon, en fait, ou une soie, enfin, je ne sais pas dans quoi c'est classé, voilà. Donc, en fait, dans l'idée, si vous voulez vous faire des liens, elle vous interdit de regarder s'il y a des liens à faire. Pour autant, là, c'est quatre cocons séparés, puisqu'on ne sait pas ce que vous voulez faire vous. Donc, on cherche à faire quatre cocons séparés qui ont à chaque fois des liens poussants qui vont partir de l'extérieur du cocon et vont venir ici. Si vous voulez faire des liens, vous vous dites, tiens, moi, ce qui m'intéresse, je veux vraiment pousser ça. Vous faites un double clic dessus. OK? Là, monte un petit truc, il a automatiquement choisi là-dedans. Où je le trouve, vacances. Il l'a sélectionné automatiquement à partir du moment où vous faites un double clic dessus dans le graphe. D'accord? Et là, si vraiment ça vous intéresse, rien ne vous interdit d'aller dans le maillage assisté et de faire un all-in pour ceux qui ont vu la semaine dernière. Auquel cas, il va transgresser les cocons, il va les garder, mais il va rajouter une couche. Alors là, celui-là, il a poussé très fort, hein. D'accord? Parce qu'en fait, en plus des quatre cocons, vous décidez de quelle tête doit recevoir un lien de partout où c'est possible, moyennant le fait qu'on ne met pas deux fois le même lien. Donc, si tu veux vraiment faire quelque chose comme ça, tu peux aussi le faire ça pour chaque tête, si vraiment tu veux. Tu fais ce que tu veux une fois que tu es là, hein. Par contre, n'oublions pas une chose, quand même. C'est que ce qu'on fait là, le all-in, faudra aller récupérer les liens dans le PDF. Parce qu'ils ne sont pas calculés par le logiciel, ils sont rajoutés par vous. Hein. Donc ne les cherchez pas dans les HTML ni rien, ils n'y seront pas. Et seuls les liens calculés par la moulinette seront présents. Enfin, il y a de quoi largement jouer, hein, pour ceux qui aiment jouer. Et ici, j'avais quelque part, je ne sais plus où il était. J'avais quelque part Vendée, non? Enfin, Vendée, il est par là. Bon, allez, si je décide que c'est celui-là, après tout, je pourrais très bien faire all-in dans celui-là. Sachant que là, effectivement, bon, l'architecture est un peu plus rigolote. Hein. Mais bon, après, est-ce que ça a de l'intérêt dans votre cas? Il ne fera jamais, par contre, de liens qui n'ont aucun sens. C'est moyennant toujours le fait que votre sujet soit bien formulé, soit formé, enfin, bien, on vous demande pas de faire une œuvre d'art, on vous demande seulement d'être précis. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, allez voir cette vidéo que j'ai faite il y a déjà 2 ans, qui s'appelle Comment trouver un métamot qui claque, où j'explique comment on fabrique un sujet. C'est pas très compliqué. Je montre comment, à partir d'une destination New York, j'arrive à faire comprendre à Google que moi je veux des gens qui n'ont que 3 jours à passer là-bas. Et je veux leur faire visiter des endroits qui sont des lieux touristiques, mais en 3 jours seulement. Donc en gros, je veux lui montrer ce qui est prioritaire à voir à Google. Enfin, à l'internaute, en 3 jours. Donc Google, faut qu'il comprenne ça. Et comment il le comprend? Avec une certaine formulation du sujet. Et ça s'est terminé à la fin. C'est que voir absolument à New York. Et que voir absolument à New York? Il a compris absolument que c'était les prioritaires. Il a compris que voir, bah, que visiter, c'est la même chose. On pourrait d'ailleurs mettre que visiter. Et en mettant les stoppeurs de haute, il arrive à recomposer, à refabriquer la phrase, le sujet. Et quand vous voyez le détail du métamot, vous comprenez qu'effectivement, à peu près tout ce qui est là, vous pouvez le faire en 3 jours. Vous verrez, vous aurez les différents lieux touristiques importants. Alors peut-être que parfois vous choisirez de ne pas voir le World Trade Center et autres. Peut-être que vous. Alors il y a des monuments, il y a des. Il y a des statues, enfin il y a pas mal de choses, vous verrez, c'est très amusant. Mais j'explique comment le faire si vous avez un sujet qui est important. En pratique, et c'est important, on ne peut pas faire ça pour tous les métamots de son pack. En pratique, on va choisir essentiellement de soigner la tête de son cocon. Il faut à tout prix que la tête de vos cocons soit comprise par les internautes et par Google. Que quand l'internaute voit le titre de votre page, il sache de quoi vous allez lui parler. Il faut bien entendu pas lui mentir. C'est-à-dire que vous devez répondre à une attente et que cette attente soit satisfaite dans votre texte. Donc ça, vous devez le soigner. Ensuite, si vous mettez des sujets qui viennent d'Eureka, laissez donc le logiciel choisir pour vous.
Si un sujet qui est mal formulé, il va le mettre de côté, on s'en fout, il ne le mettra pas. Et pourquoi? Parce que en gros, c'est pas assez bien gaulé pour lui, c'est confus, c'est ambigu, c'est. Voilà, vous lui mettez plus de métamots qu'il ne faut, et il se débrouille. Hein? Donc, c'est pas la peine de vous prendre la tête, hormis pour les pages que vous voulez pousser, qui sont très importantes pour vous. C'est celles-là que vous allez emmener en première page et en première place. D'ailleurs, à ce titre, entre parenthèses, en parlant d'un vieux client, un copain aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'avec un client à qui j'ai fait utiliser les métamots pour la première fois en 2014 à un client, et aujourd'hui le client a fait quand même fois 100 au niveau du trafic. Fois 100, et il n'est pas parti de 500 visites, hein, d'accord? Et le site a même pas doublé de volume entre-temps. Donc il y a des choses qu'on peut faire effectivement avec la sémantique. Il n'y a pas de. Et comme d'habitude, moi j'ajoute pas de lien. Donc le Google se débrouille. Puis les gens, si ça leur plaît, bon. Alors, est-ce qu'il y. Gabin nous demande, est-ce qu'il y a une option pour faire un cocon à 4 cœurs, mais sans silo comme ici? Il n'y a pas de silo ici. Ce n'est pas vraiment des silos. On reprend la trame de construction avec cette espèce de PMH. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment un silo. Bon. Peut-être que ta question est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quatre cocons circulaires? C'est peut-être ça que tu veux dire, Gabin. Bon. On pourrait le faire. Le cocon circulaire a été rajouté relativement peu de temps sur la plateforme. Moi, c'est un truc que je monte depuis longtemps. Mais à force d'entendre des gens sans arrêt nous rabâcher les liens réciproques, je n'avais pas mis les deux pieds dans le plat, si vous voulez, autour de l'absence de liens réciproques dans un site. Et quand on a trouvé le moyen mathématiquement de le faire, on l'a mis en ligne, on a laissé venir. Au début, les premiers étaient un peu sceptiques sur le fait qu'on puisse faire un maillage comme ça et que ça puisse booster. Et puis, un exemple a été mis en ligne et là, les gens ont vu la courbe de progression et se sont dit, nom d'un chien, ça marche. Donc maintenant, je peux mettre les pieds dans le plat et si j'ai envie demain de faire quatre maillages circulaires ou un système à quatre têtes, quatre pseudo-têtes, voire même intégrer directement le lien en ligne et faire un système comme ça, je peux. Parce qu'il faut toujours penser à la maturité des gens. Le problème, c'est que quand on est. Vous voyez, les métamots, ça fait quand même 6 ans que ça existe. Au début, tout le monde riait. Et là, les gens riaient un peu moins parce que Google finit par dire tout ce qu'on dit, nous, depuis des années. Le contexte des liens, l'importance de bien regarder chaque paragraphe comme une unité sémantique, le sujet qui doit être compris. Tout ça, on le dit depuis des années. Vous trouvez des vidéos sur la chaîne de Coco qui en parlent. Vous trouvez des chroniques qui datent. La chronique Trouver les métamots qui claquent, enfin la vidéo, pardon, c'est jamais que Berthe. Mais un an avant. D'accord? Un an avant que Google en parle. Ils n'avaient même pas déposé le code source à l'époque. Donc si vous voulez, c'était déjà implémenté. Et quand j'ai sorti cette vidéo et que Olivier Andrieux demandait qui a des. Je te le dirai offline, le gamin. Quand il a demandé, est-ce que vous avez des exemples de sujets où le Berthe est intervenu et où vous voyez les résultats? Je lui dis, moi j'ai un exemple en France. Oui, mais Google a dit que ça n'existait pas en France encore. Ah ben je lui dis, c'est faux. Moi je t'assure que c'est disponible en France depuis déjà au moins 6 mois. Et je lui dis, tiens, la preuve, va voir cette vidéo. Donc il l'a ajouté à ses ressources en conviction. Et bien entendu, quelques mois après, Google a avoué que, bah effectivement, c'était déjà monté en France, au fait. Alors qu'il niait, 6 mois avant, que c'était déployé en France. Voilà. Ça, c'est du Google dans le texte. En fait, ils vont vous avouer des trucs après coup. Mais au début, on le voit, si on regarde. Moi, j'ai des tas de machines qui surveillent ce qui se passe, qui regardent les signaux, qui regardent tout ce qu'ils fabriquent. Et je peux vous dire que ça fait une éternité que Berthe, ils ont commencé. Et d'ailleurs, ils sont en retard sur Bing, qui pour une fois a pris l'ascendant. Voilà, donc.
Dont acte, hein. Moi j'aime bien quand Google, quelques mois après, dise, bah oui, c'est comme ça, effectivement, mais nous ça existe, hein. Les liens contextuels, ça fait un moment qu'on dit qu'il faut faire attention au lexique proche des liens. Tout le monde nous riait au nez il y a 2 ans, il y a 3 ans, et maintenant que Google l'a dit, subitement, tout le monde se découvre, ah oui, je l'avais dit, ouais, ben, nous on l'a carrément implémenté. Donc c'est quand même là, hein, quand vous regardez la manière dont c'est fait, que vous regardez les PDF qu'on livre, et tout là, quand même, attendez, quand vous regardez ici, hein, vous allez là, vous cliquez ici, bon, celle-là, elle n'est pas liée, mais là, elle est liée, vous avez l'électrique contextuelle quand même, hein. C'est là depuis 4 ans. Hein. Bon. Donc, si vous voulez, il y a ceux qui viennent après, il y a ceux qui viennent avant. Bon. Mais être avant, c'est toujours très délicat au point de vue de la com. C'est difficile à manier. Et donc, pour l'instant, les cocons circulaires n'existent effectivement qu'en version, on va dire, on calcule son petit cercle et puis ensuite on rajoute le all-in à la main. Je ne dis pas que j'irai pas plus loin. Faut laisser mûrir un peu. Voilà. Parce que mine de rien, c'est quand même du boulot. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon petit mémo à vous dire avant de passer aux questions-réponses? Alors, ici, important, dans tous les cocons, sauf dans le cocon circulaire, bien que ce soit également une bonne chose, mais quand on réfléchit au cocon circulaire, quand on sait qu'il est fait dans un blog, il y a déjà, en tant que plan de site ou en plan de cocon, vous avez déjà les catégories du blog. Donc si vous mettez tout dans une page, vous avez votre table de matière. C'est pas la peine d'aller plus loin, vous l'avez déjà, votre table de matière. Donc en fait, il n'y a pas besoin, sur un cocon circulaire, de faire une autre table de matière qui dirait la même chose. Dans un cocon, c'est différent. Un cocon, il n'y a pas de table de matière, vous faites les pages exprès. Et donc là, vous allez devoir effectivement ajouter une table de matière à tout ça. Table de matière qui va en fait lister toutes les pages du cocon et faire un petit laïus. Hein, en dessous, vous mettez un lien comme un plan de site, mais vous allez mettre un petit blabla en dessous qui va présenter. Alors souvent, on utilise la métadescription qu'on modifie à peine et qui fait un lien vers chaque page du cocon. Ça, c'est pour initialiser le jeu au moment où on met en ligne, mais aussi pour après. L'idée, c'est de donner en fait une impulsion à toutes les pages du cocon en même temps. Et éviter que le jus parte de la tête pour remonter dans le cocon et ensuite redescendre vers la tête. Parce que c'est ce qui se passe lorsque seule la page qu'on veut pousser est reliée au restant du site. Et que vos pages du cocon, finalement, sont reliées nulle part. Hormis la tête, ce qui est quand même un comble. C'est-à-dire qu'avant que la tête soit elle-même poussée, il faut d'abord que la tête nourrisse son cocon. Ce qui est un peu bizarre, quoi. Donc, une table des matières suffit à donner une impulsion de départ et effectivement à donner un sens, enfin un sens dans le sens d'orientation, même si en physique c'est sens et direction, c'est un peu différent, donc là on va parler d'orientation. Ça va permettre de donner une impulsion à l'extérieur du cocon et sur toutes les pages intermédiaires qui vont venir nourrir le cocon et le cocon va envoyer automatiquement le jus vers la page qu'on veut pousser. Voilà. Donc ça c'est ce protéger un petit peu des effets un peu curieux qu'on peut avoir si on ne fait pas ça. D'accord? Donc, on va reprendre les questions, mais c'est à peu près tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. On rentrera. Alors, on va passer aux questions-réponses. Du point de vue de la partie. Vous m'excusez, je suis un peu crevé. Hein. À force de bosser 24-7, on prépare un truc qui est absolument énorme. Et donc j'y passe mes jours et mes nuits, et les ordinateurs tournent à fond ici, c'est vraiment quelque chose. Mais ce sont des centaines de milliers de calculs chaque jour, donc ça me crève. Bon, donc excusez-moi si je bafouille un peu, on fera avec. Hein. Donc aujourd'hui sur la partie purement formelle, je n'irai pas plus loin par contre. On verra bien entendu comment utiliser les lexiques de contextualisation, comment comprendre le mind map, comment comprendre le texte, comment les consignes pardon, du texte, même les autres outils d'optimisation ou autres. Sachant que je rappelle que, avant toute chose, même si on peut l'utiliser pour ça, enfin les métamos, c'est surtout fait pour faire du maillage, du cocon, des liens entre les pages, c'est pas un outil de texte. Ce n'est pas un outil pour optimiser les textes, c'est un outil
pour optimiser les liens internes. C'est vraiment ce qu'il faut capter. Et accessoirement, bah, forcément, on optimise le texte. Mais c'est plus un moyen qui est donné au lien d'avoir de la performance, au maillage, mais également au lien externe si vraiment ça vous botte. C'est plus un moyen d'obtenir ça que celui d'obtenir un super texte machin qui fait des liens vers personne. D'accord? Donc, voilà. Donc, on va passer, je vais remonter un petit peu le fil. Tu me conseilles quoi? Allez, donc je reprends un petit peu en haut. Désolé pour ceux qui viennent de poser la question, qui seront après. Donc, tu me conseilles quoi à lire pour commencer à comprendre le coco? Tu peux regarder sur coco.se. Tu as une page qui s'appelle Explication ici. Tu vois là, ma souris. Ici, j'ai, même si ce n'est pas 100% à jour, j'ai plein d'articles que j'ai écrits partout, d'accord? Sur plusieurs supports. Ces vidéos n'y sont pas encore. Et vous avez notamment, pour comprendre le cocon, vous avez un article dont je suis assez content parce que tout le monde l'a compris, qui a été publié chez Noctuxedo, qui est, c'est le seul où je sois vraiment clair en fait. Ça m'arrive de temps en temps, quand je suis fatigué, j'arrive à être clair. Mon informatique, voilà. Ici, vous en avez deux. Vous regarderez. C'est quelqu'un qui travaille dans WordPress, qui donne des conseils à des gens qui font des blogs. Et donc, j'ai fait un truc sur les pages free. C'est également quelque chose dont on parlera. C'est un truc à nous, hein. Et puis, un cocon sémantique. Et là, je donne vraiment, je décortique. C'est fait pour les gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'une balise HTML ou un title, hein, pratiquement. Donc, je les explique bien. Dès l'origine, comment c'est venu, comment c'est construit. Et là, pour le coup, le cocon est vraiment décortiqué, y compris le cocon, on va dire, originel, c'est-à-dire le cocon voulu par Laurent Boëlé il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on est très académique. Hein, cocon est un peu plus fantaisiste. Il travaille beaucoup plus sur les maths pour faire une structure qui ressemble, mais pas que. Hein. Voilà, donc ça, l'ouverture d'un compte est gratuite hein, sur cocon.se. J'ai pas mis cette page en public, mais je pourrais. Bon, pour l'instant, j'ai pas le temps, donc ça fait un an que je dis que je vais le faire et je l'ai toujours pas fait. C'est quoi l'exemple par curiosité? Ben, je l'ai cité, je crois, sur une vidéo précédente, hein, Gabin. Les liens sont-ils trouvables dans le PDF? C'est bien ça. Alors, dans les PDF, Cédric, ce qu'on va avoir. C'est le nom des métamots, donc finalement les sujets, et les lexis à mettre et vers quelle page on les met. D'accord? Par contre, dans les pages HTML d'un cocon, on trouve aussi les emplacements. C'est-à-dire, on dit mettez en haut tel lien vers telle page, mettez un petit peu au-dessus du milieu, mais pas tout à fait en haut, mettez tel lien avec tel lexis à côté, vers telle autre page. Dans le corps du texte, mettez ça, en dessous, mettez ça. C'est-à-dire qu'on vraiment, on te prend par la main et tout ce qui a été montré tout à l'heure dans la partie fabrication de cocon, tu vas la trouver dans le squelette HTML, mais aussi dans le mind map, dans les notes. Alors, je dis dans les notes parce que autant dans Xmind et dans FreeMind, les notes s'affichent automatiquement au format HTML, autant qu'on importe le mind map dans une version de Xmind, dont il existait une version gratuite, je ne sais pas si elle existe encore. Là, par contre, c'est un peu plus pénible. Ils l'ont collé dans une espèce d'annotation à côté, mais qui ne reprend pas le formatage HTML. Et donc, c'est un peu moins facile à lire. Bon, FreeMind semble être le meilleur outil aujourd'hui gratuit où on peut lire sans avoir la crainte de planter son ordinateur, puisque malheureusement, le truc d'origine plante beaucoup, parce que c'est une vieille version de Java. Alors qu'effectivement, FreeMind est un peu plus. Non, attendez, que je ne dise pas de bêtises, ce que j'utilise, ça va être. Oui, c'est FreeMind, c'est ça. FreeMind est un peu plus facile. Voilà. Que Xmind, au départ, écrase toute la mise en page. Et avec tous les minds de partout, on finit par s'y perdre. Vous avez aussi FreePlane qui existe. Enfin, bon, il y en a plein. Celui d'origine étant le moins stable. Bizarrement. Alors, vous essayez en fonction de ce que vous avez comme version de Java. Il y en a certains qui plantent, d'autres qui ne plantent pas. Bon.
Est-ce que les problèmes d'indexation actuels de Google se font sentir dans les cocons? Ben forcément. C'est Philippe qui nous pose cette question. Alors, forcément, mais oui, mais non. Moi, j'ai des clients qui ne sont pas du tout touchés. D'autres qui le sont un tout petit peu. Globalement, plutôt moins que ce que je semble me dire les autres. Je n'ai qu'une vue toute petite des problèmes des autres, puisque je ne les regarde pas. Et quand ils sont catastrophés, ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe, parce qu'on a une tendance à l'exagération. En principe, ça s'indexe tellement bien que de toute façon, le problème ne se pose pas. Apparemment, il y a quand même des problèmes de spam hein, parmi les gens qui se sont trouvés désindexés. Et même s'il y a des exceptions, globalement, c'est pas mal de spam. Hein. Beaucoup de MFA, beaucoup de choses comme ça, évidemment, quand ils se font désindexer, ils crient au scandale, mais en fait, quand on regarde les pages, elles ne sont pas très très jolies. Moi, les pages que j'ai vues désindexer chez les clients, c'était des archives, en fait. Bon, est-ce que si ça avait été une page de cocon, ça aurait été désindexé? Je ne suis pas sûr. Faut voir. Faut simplement que les pages soient bien écrites, que les sujets soient intéressants, bien traités. Pensez à des choses, hein. Il y a des choses aussi bêtes que le nombre de mots dans une phrase, etc. Il y a vraiment des choses. Il sait compter le nombre de points qu'il y a. Hein. Il sait aussi faire une chose, un exercice que ne font pas les rédactrices ou les rédacteurs et qu'il doit faire. Combien ai-je de mots différents dans mon texte pour combien de mots en tout j'ai dans mon texte? Plus le rapport est élevé et que le texte est compréhensible, mieux c'est. C'est-à-dire si vous faites votre page avec 20 mots dans votre vocabulaire, vous allez vous faire cramer tout de suite. Ça paraît bizarre. Alors, il y en a d'autres qui font ça autrement. Ils vont zipper le texte et se rendre compte qu'effectivement, quand vous utilisez beaucoup les mêmes mots, d'ailleurs, en gros, vous n'avez pas de vocabulaire, vous n'avez pas de vocabulaire, donc quand vous compressez, ça fait une toute petite archive en zip. Et bien ça, effectivement, ça se fait flinguer. Bon. Si par contre, vous avez un vocabulaire un peu riche, un peu étendu, d'ailleurs, vous n'utilisez pas systématiquement les mêmes mots, pour autant, vous n'utilisez pas trop de mots incompréhensibles par tous, mais un petit peu. Hein. Moi, j'aime bien utiliser des mots comme lexème, comme épacime, ou des trucs un peu curieux, qui obligent la personne qui lit à prendre son dictionnaire, mais je le fais à toute petite dose. Parce que ce sont des signaux qu'aime bien Google, pourvu que ça ne rende pas le texte incompréhensible. Donc vous mettez un mot ou deux comme ça, qui sont un petit peu riches, puis le reste, vous écrivez simplement avec un vocabulaire du métier, avec la même largeur que les textes. Voilà. Mais regardez surtout l'internaute auquel vous écrivez. Si c'est un internaute qui est alors je ne vais pas parler de journaliste parce que ça fait longtemps que les journalistes malheureusement n'ont plus tellement le niveau, en tout cas dans beaucoup de domaines, prenez ceux de BFM par exemple ou d'autres chaînes en continu, le niveau est franchement vachement bas. Je ne sais pas pourquoi, hein, c'était pas comme ça dans le temps, mais c'est comme ça aujourd'hui, je pense qu'il y a une volonté éditoriale hein, quand même derrière. Ou alors c'est très grave si ce n'est pas ça. Par contre, effectivement, si vous vous adressez à un médecin qui parlerait à des collègues, il ne peut pas se permettre d'utiliser un langage d'enfant de quatrième. Il va être, ça, Google va bien voir qu'il y a un loup, il y a quelque chose. Ça se reconnaît facilement. Vous faites un ratio du nombre de mots différents, d'accord, par rapport au nombre de mots qu'il y a en tout dans le texte. Et vous pouvez derrière dégager une difficulté, deux difficultés. Quel est le niveau du gars qui lit, d'accord? Et quel est le niveau de votre propre texte? Google prend des textes équivalents. Alors vous avez ça d'ailleurs dans CoCoSE, vous avez quelque chose qui s'appelle readability. Vous avez deux formules de calcul qui vous donnent le niveau de readability. C'est pas, faut pas mélanger ça avec le fait que votre texte soit visible dans le HTML. Hein. C'est vraiment le niveau de lecture requis pour l'internaute. Et votre difficulté à être compris par un internaute qui serait du bon niveau. Ce sont des algorithmes qui sont très vieux, qui étaient utilisés au départ, avant la guerre de 39-45, par les journaux américains, quand ils faisaient des news en première page. Ils faisaient en sorte de mettre en parallèle le niveau choc et le niveau de compréhension pour être certain de frapper les esprits. Donc ce sont des algorithmes qui sont basés sur les syllabes, sur un certain nombre de choses comme ça. Et effectivement, c'est la quantité, la variété, sur des choses comme ça, qui font que si vous ne racontez pas n'importe quoi, votre texte est plus ou moins facile à comprendre, plus ou moins pour des experts ou pas. Alors, il n'y a pas de valeur idéale, il faut juste comparer par rapport à ce qui se fait par ailleurs. Et Google peut parfaitement se dire, moi, dans mes cartons, quand quelqu'un me parle de ça, j'ai l'habitude de trouver des textes qui sont plutôt dans ce genre-là.
qui ont ce niveau de compréhension, ce niveau de détail, ce niveau d'explication. Et derrière, je veux trouver des textes qui soient pareils. On a fait un petit outil, malheureusement en machine learning, je dis malheureusement parce que je n'aime pas ça, qui permet justement de détecter quel est le niveau scientifique d'une personne qui écrit. C'est tout à fait faisable. Donc si vous voulez donner demain, passer par exemple sur les chroniques que j'écris sur le journal du net, vous verrez que par rapport à d'autres, la note est très élevée au niveau scientifique, et pourtant je ne fais pas exprès. Pourquoi? Parce que les verbes, les noms communs, les adjectifs, tout est varié, tout est voilà, et donc ça donne une note très élevée. Et si c'est ce que Google cherche, parce qu'il peut chercher quelque chose de très vulgarisé, aussi, en fonction du sujet, il va regarder la symbiose qu'il y a entre ce que vous dites et l'internaute qui va vous amener sur votre page, et il va regarder s'il y a symbiose, et il a une petite note quelque part. Voilà. Ça, ils ne l'ont pas encore avoué, mais ils vont le faire un jour. Voilà. Donc, pensez à ça. Pensez bien à. Pensez à l'internaute, quel profil il a. Notez que j'ai prévu de faire un texte, justement, pour vous aider aussi à formuler un sujet avec plusieurs angles différents. Ça, je l'ai promis et je vous le ferai. Je vous ferai une vidéo, un live Periscope là-dessus, qui vous montre qu'en fait, avec un sujet, on peut en faire 16 ou 20, avec un seul sujet au départ. Donc c'est plutôt sympathique. Alors, je me doute que le choix. J'ai un doute sur le choix des métamodes, nous dit Sakai. Donc je descends. On peut parler d'un mot-clé? Non, on ne trouve pas de mot-clé. Qu'on passe. On trouve des lexies. On ne cherche pas à se positionner sur les lexies. Donc ce n'est pas des mots-clés, les métamodes. Les lexies des métamodes ne sont pas des mots-clés. Ce sont des mots, des termes, des citations, ce qu'on veut, peu importe. Des bribes de phrases parfois aussi. Si par exemple, à un moment dans un texte, on a une UNESCO, bah oui, ok, parce que ton texte, il parle de ça, il faut que tu le mettes. Mais UNESCO, tu ne vas pas chercher à te positionner sur UNESCO, par exemple. Ce ne sont pas des mots-clés, ce sont vraiment des lexies au sens linguistique du terme, pour le coup. Réellement linguistique. Lexie voulant dire, c'est en fait un terme signifiant en lui-même. Hein. C'est normalement un degré de signifiance. Donc, c'est dès lors qu'on met album d'un côté, on met photo de l'autre. Album photo est une lexie parce que ça forme une entité différente qu'on ne peut pas réduire. Et album photo a un sens. Et on ne peut pas le réduire ce sens. Donc, on ne peut pas, si on enlève photo, ça ne veut plus dire la même chose. En gros, c'est ça que ça veut dire lexie. Au sens des métamots, ça veut dire que effectivement, il y aura beaucoup de termes, de choses, mais qui prennent un sens dans l'ensemble. Parce que par l'ensemble des lexies, ça forme un autre mot, qui est une forme de conjonction, un petit peu comme les astrologues parlent de planètes en conjonction. C'est un peu ça, sauf que je ne suis pas du tout astrologue. Je ne suis pas d'astrologie, donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais en gros, c'est quand même une conjonction de termes, de lexies qui sont mis ensemble, et qui, de par leur présence conjointe dans le même texte, ont un pouvoir de signification auprès de Google. D'accord? C'est ça. Alors, ensuite, les métamots sont calculés. Donc, en fait, ils sont calculés par l'intermédiaire de ce qu'on trouve en documents scientifiques, de ce qu'on trouve en documents de vulgarisation. Donc on les calcule nous, ensuite on check dans Google ce qu'il lui il a, et on essaye de mettre les deux l'un en face de l'autre. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec les sujets de les outils qui font des stats sur ce qu'on trouve sur le web. C'est totalement aux antipodes, et on cherche surtout à savoir quels sont les termes que Google cherche dans les pages. C'est-à-dire si normalement les métamots personne les a. C'est-à-dire que quand vous tapez un métamot et que vous avez le métamot d'un sujet, sauf si vous l'avez implémenté, vous avez pris vos positions, auquel cas il va se bloquer, il va se figer. Si vous ne l'utilisez pas, ou si quelqu'un l'utilise partiellement, un deuxième va peut-être dire d'autres choses, va utiliser un métamot plus frais qui donne plus d'informations à Google, et c'est lui qui passera devant parce que vous ne l'avez utilisé que partiellement. Donc en fait, si vous voulez, en gros, il va se fixer qu'à partir du moment où quelqu'un l'utilise. Et si il l'utilise, ça veut dire on dit qu'il est fixé, et donc Google ne va pas chercher à faire mieux parce qu'il l'a. Si par contre vous l'utilisez que partiellement, il va faire d'autres paris, d'autres prédictions, parce qu'il se dit, j'ai dû me gourer, personne n'utilise tout ça, donc je vais chercher d'autres choses. Voilà. Et donc il va chercher d'autres conjonctions. L'art de former le sujet, l'art de faire le sujet, effectivement,
Ben là, faut regarder cette fameuse vidéo, trouver les métamots qui claquent. Et sur le fait de trouver les sujets, vous ne posez pas de questions, vous savez d'Eureka ou d'un autre outil équivalent. Bon, il n'y en a pas d'équivalent, mais enfin, même des outils, vous tapez plus de mots, puis avec d'autres outils, vous y arrivez aussi. Vous tapez un mot, vous avez plein de sujets, vous mettez tout ça. Alors, évidemment, si vous ne faites pas de tri humain, vous allez calculer des sujets pour rien. Mais derrière, il va vous calculer les métamots, vous trouvez un glissement qui est cohérent. Alors, ne soyez pas inquiets pour ça. De toute façon, on a mis un sujet ou deux. Alors, c'est des vieux cocons qui ont été mis en démo. Vous pouvez regarder ce qu'il y a dedans, vous verrez que les glissements sont tout à fait cohérents. Est-ce qu'il arrive de rater un cocon? Hein? Il y en a un qui a regardé les vidéos précédentes. Bah, si on ne fait pas ce qu'on a dit dans les deux premiers, c'est-à-dire si on n'oublie pas la table des matières, si on ne fait pas des textes insipides, voilà, etc., etc. Si on met... Alors l'inconvénient du cocon, c'est qu'on le m'enligne en une fois. Bon, c'est. Donc si on a 800 pages, il faut attendre d'avoir fini les 800 pour le mettre en ligne, ça c'est un peu emmerdant. Mais bon, donc un cocon, normalement, avec ça, on ne le rate pas. Par contre, on peut très bien mal le dimensionner. Soit faire trop de pages, auquel cas on a bossé un peu pour rien, parce qu'on aurait été premier même avec moi. Soit, effectivement, on n'a pas mis assez. Et donc, du coup, ben, il y a des gens qui font mieux. Donc, il faut penser à dimensionner. J'ai donné une forme d'heuristique pour calculer la taille du cocon en fonction de la difficulté du mot-clé qu'on veut pousser. Bon, à vous de voir si ça vous aide au départ, sachant qu'il n'y a pas de formule toute faite là-dessus. Hein. Il y a des d'expérience, on doit être à un peu plus de 2000 cocons, je crois, aujourd'hui, fait sur Cocon. Donc, on a quand même un certain retour, on voit ce que les gens ont essayé, on regarde s'ils ont réussi ou pas. Donc, effectivement, cette évaluation de la difficulté, on la sent assez bien. On ne s'explique pas parfois que des gens avec très peu de pages arrivent à cartonner et que des gens parfois mettent énormément de pages et ne s'en sortent pas, mais c'est souvent des sites qui sont flingués. Donc voilà. Quand un site qui est très frais, qui arrive, qui fait un superbe cocon bien écrit et autres, il cartonne. C'est souvent la qualité de rédaction, bizarrement, sur les cocons qui va faire la différence, une fois qu'on a mis tout bout à bout. Hein. Donc normalement, en tout cas, on vous donne toute la partie que vous ne pouvez pas contrôler, on vous la donne pour ne pas rater votre cocon. Alors, il n'y a pas d'abonnement pour les métamots. Non, il n'y a pas d'abonnement pour les métamots, mais plus tu en achètes, enfin, je ne veux pas jouer les marchands ce soir, hein, mais plus tu en achètes, plus le prix baisse. Bon, à la fin, ça termine à 3 francs et à 2 francs 6 sous. Mais par contre, il faut en prendre beaucoup, c'est vrai. Alors, une chose, ça coûte que dalle par rapport au tarif de la rédaction. Hein. Soyons clairs, même quand on n'en achète que ça, que 10 ou 20, ça coûte que dalle. En réalité, parce que la rédaction coûte beaucoup plus cher. Donc, et puis si ça vous évite de rédiger pour rien, c'est pas grave. Notez quand même une chose, pour ceux qui n'en ont pas encore bénéficié, excusez, c'est ma page, je fais la page pub, hein. On a une offre à 100 euros de style Covid qui est utilisable qu'une fois si vous êtes un nouveau client. Vous pouvez en bénéficier pour 100 balles, vous avez 100 métabos, plus des crédits crawl. C'est à la demande du journal de net qu'on a fait ça, avec d'autres entreprises, hein, même des confrères qui ont fait ça, pour aider les gens qui sont touchés directement ou indirectement. Maintenant, on peut dire que tout le monde est touché hein, par le Covid, malheureusement. Plus ou moins directement, il y a des reports aussi. Hein. Tout n'est pas noir dans l'histoire. Il y a des gens qui, faute de pouvoir acheter quelque chose, vont acheter autre chose. Et celui qui vend cette autre chose est gagnant. Donc, en réalité, globalement, ça a baissé. Globalement, il y a une perte d'achat, de pouvoir d'achat. Mais il y a quand même des gens qui s'en sortent, fort heureusement. Mais bon, combien de temps, je ne sais pas. Donc non, il n'y a pas d'abonnement. Voilà, c'est valable à Nantes, on peut faire plein de choses avec. Bon, après. Et pourquoi il n'y a pas d'abonnement? Parce que j'ai pas envie de terminer que les autres et de me faire hacker. Bon, parce que malheureusement, quand on est trop gentil, il y a des gens qui abusent. Donc le crédit est la seule façon de que vous ne payez pas pour les autres. Voilà ce que je pense des gens qui profitent. Il y a toujours un perdant. Hein. Parlez-en à nos confrères qui, en faisant des abonnements, se retrouvent déjà que c'est pas cher, mais surtout avec 5 rédacteurs, par exemple, sur le même compte. Excusez-moi de dire ce que je pense, mais c'est dégueulasse. Quand on achète un truc à 50 ou 100 balles, c'est pas pour aller le partager avec la communauté, quoi. Faut être un peu sérieux, quoi. Donc, si vous voulez, les abonnements, c'est un peu l'inconvénient. Vous êtes obligé de faire confiance. Et malheureusement, le propre de l'être humain, c'est de trahir votre confiance. Je le dis comme je le pense. Donc on évite ce genre de problème.
La question sur les métamots à laquelle tu as répondu n'était pas claire. Alors, on va voir laquelle. Si je veux me placer sur un mot-clé précis, sur le render K et les résultats me donnent les métamots. Non, ils me donnent les sujets des pages sur lesquels je vais calculer les métamots. Et donc ensuite, je vais pouvoir rédiger. Voilà. Ça, c'est une réponse qui est faite à Sanchai. Je ne sais pas si on dit Sanchai ou Sanchai. Hein, désolé. Donc effectivement, le sujet au départ va permettre ça, juste un sujet. Alors un sujet, c'est quoi? C'est quand partir en vacances. Ça, c'est un sujet. Vacances, c'est votre mot-clé. Mais en fonction de ce que vous faites des vacances, votre sujet, c'est peut-être quand partir en vacances. Ça dépend ce que vous avez. Ou bien comment partir pas cher en 2 jours. Bon. Avec deux. Voilà. Ça, c'est le sujet. Ça va dépendre de ce que vous avez à vendre. Ou ce que vous avez à. Peut-être pas, le web n'est pas fait que pour de la vente. Hein, il est fait aussi pour des. Parfois, on essaye d'avoir simplement de l'audience pour donner des choses aux gens. Et là, la manière de le formuler va donner un sens à ce que vous faites. Et c'est éventuellement pas de la vente. Vous prenez. Je pense que Wikipédia est très content du nombre de gens qui viennent sur son site. Hein. Et pourtant, ils ne vendent pas les articles. Et les sujets seraient moins passionnants, ou ça serait pire que ce que ce n'est, parce qu'il y a quand même 30% de défauts quand même, ça fait beaucoup, mais à l'échelle de Wikipédia, c'est déjà pas si mal. Probablement que je ferais moins bien que ça si j'avais à gérer Wikipédia. Clairement, il y a quand même des choses vachement passionnantes dedans. C'est pas toujours vulgarisé, parfois ça l'est, parfois ça ne l'est pas, mais il y a des très belles choses. Par contre, les sujets sont mal formulés. C'est-à-dire que vous avez juste le title. C'est-à-dire, en gros, vous cherchez un truc sur les invalides, il va taper le sujet, ça va être les invalides. Ouais, passionnant. Là, ça manque. Si vous voulez savoir où sont les invalides, ou bien si vous tapez un petit truc rigolo, j'ai un petit neveu qui m'a demandé, je comprends pas, je suis allé au champ de Mars, je n'ai pas trouvé de Mars. Ben oui, et pourquoi? Ce n'est pas un champ où poussent les Mars, par exemple. Et bien vous rigolez, mais quand vous tapez dans Wikipédia, allez voir les résultats, vous allez vous marrer aussi. Et vous allez comprendre pourquoi je fais cette petite blague. Et effectivement, je vous confirme qu'il n'y a pas de les Mars, ça ne pousse pas au sol. Alors, vous utilisez Wikipédia pour avoir les métamots, ça c'est ma c'est ma. Ça, c'est mon truc à moi. Je dis pas, je donne pas ma recette. C'est déposé ça. Alors, secret défense, oui, voilà, c'est bien dit. Si j'ai compris, je dis, ok. Un site de 40 pages, par exemple, peut-on ajouter d'autres pages? Oui, bien sûr. Pourquoi on serait interdit de. C'est possible avec un code déjà existant. Oui, en rajoutant des branches. La seule façon que je connais, si on a un cocon de 40 pages sur un site qui pose une tête, on fait un deuxième cocon à côté. D'ailleurs, quelque chose que je n'ai pas montré aujourd'hui, mais que je montrerai une fois prochaine, on peut faire du cocon progressif. C'est-à-dire que le système vous permet en une fois de créer plusieurs cocons que vous allez déployer au fur et à mesure de votre succès. Avec le même mot à pousser. Je vous montrerai ça, c'est un système qui permet de faire ce qu'on appelle du phasage. Et ça, c'est avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il faut juste savoir comment s'en servir, mais il vous permet de faire ça. Donc vous décidez de faire des cocons de 40 pages, vous avez plein de pages. Et on crée autant de cocons de 40 pages qu'il peut. Et donc vous décidez par lequel vous allez commencer et faire les autres à côté. Donc pour revenir au cocon, un cocon qui est déjà existant, donc vous en faites un deuxième à côté, ou bien vous rajoutez une branche simplement. Donc verticalement, si on reprend la nomenclature d'origine. Sinon, bah, vous faites un deuxième cocon avec cocon SE ou autre chose, peu importe. Mais oui, bien sûr, on peut le faire évoluer un cocon. Heureusement. Et on peut faire un cocon de 300 pages à côté d'un cocon de 40 pages. Hein. Il n'y a pas de. Par contre, l'émailler, c'est un peu délicat. Bon. Parce qu'on ne sait pas ce que. Faut pas le faire à l'aveugle. Alors, par contre, j'avais mal lu. Si on a un site de 40 pages. Oui, on peut ajouter des pages. Mais sachant que je dis bien aussi que, il faut faire attention quand on fait un cocon. Pour ceux qui n'auraient pas vu pour le fait de rater un cocon. Il ne faut pas faire un cocon de 300 pages sur un site qui n'en comprend que 50. Ça ne marche pas. Il faut que le cocon soit plus petit que le site. Que l'ensemble des cocons soit plus petit que le site.
Donc on est limité par la taille de sourcil. Donc la meilleure façon de faire, c'est déjà de commencer par augmenter sa taille de sourcil. Donc on va rajouter des pages, faire un cocon circulaire qui n'entre pas dans cette restriction, puisque c'est un système de maillage pas avec des liens non réciproques. Donc c'est un système de maillage dont on fait un cocon à la fin, mais le système de maillage existe par lui-même avant de faire la touche finale. Et là, on peut effectivement faire, il faut rajouter les pages, mais en lui-même, si vous avez fait ça, vous n'avez même plus besoin de cocon, quoi, je veux dire. Bon, nous, on propose plusieurs trucs en fonction des affinités de chacun. Si vous préférez un cocon multi-tête, vous préférez faire plusieurs maillages circulaires avec ou sans cocon, enfin, voilà, il y a les outils, vous faites comment vous le sentez. Le plus puissant, ça reste le cocon circulaire à quantité de pages identique. Si vraiment votre thématique est bien cernée, qu'il arrive à faire le chemin circulaire, enfin les chemins circulaires à l'intérieur de toutes les pages que vous voulez, tous les métamots que vous lui avez fournis, là c'est ce qu'il y a de plus puissant une fois que vous avez fait le all-in. Il n'y a pas photo. Si par contre vous avez les thématiques voisines, peut-être que vous serez obligé de sectionner, auquel cas peut-être que le cocon, sachant que vous pouvez faire autant d'essais que vous voulez, hein, une fois que le métamot est fait, vous pouvez rajouter d'autres métamots dedans, vous pouvez faire plein de choses. Donc vous pouvez même le garder, puis faire plusieurs projets, c'est pas... Vous essayez, puis vous regardez ce que ça donne, voilà. Hein. Alors j'ai pas compris à qui se posait la question, tu bosses en équipe. La R&D, je la fais tout seul avec mon épouse. Voilà. Mon épouse qui est mathématicienne, moi je suis physicien. Donc, rien à voir avec la sémantique, tout ça. Enfin, je suis aussi logicien, par contre. Et puis, par contre, Cocon SE appartient à Sylvain Doré, qui est mathématicien, voilà, et qui fait plein de trucs un peu bizarres, notamment la partie crawl de Cocon SE, avec une autre personne qui s'appelle Christian Lemoussel. Voilà. Mais c'est une équipe de joyeux matheux, voilà. Tout le monde est matheux avant d'être développeur, hein, je précise. C'est pas l'inverse. Si tu as fait, c'est peut-être d'ailleurs un défaut, si tu as fait un cocon avec un PBN foireux, ben voilà, tu cherches les problèmes. Oui, je confirme. Je confirme parce qu'en général, celui qui fait un PBN ne prend pas soin de son site. Donc, du coup, tout ce qu'il fera sera. D'abord, ça va l'embêter de faire un cocon sur un PBN parce qu'il n'a pas le courage, parce que pour lui. Il va tout mettre dans la valeur de l'expiré et rien mettre dans la valeur, la qualité de son site. Donc, enfin, je me trompe peut-être, hein, mais on est aux antipodes. Un PBN, c'est tu multiplies la quantité de sites pour ne pas avoir à faire de la qualité. Là, les cocons, c'est plutôt je vais faire de la qualité, mais je vais faire moins de sites. Donc, effectivement, il y a un moment, peut-être les deux se rejoignent, mais quelque part, il y a une antinomie à la base. Hein. Bon, il faut arriver à trouver le milieu un truc au milieu, mais je ne sais pas si quelqu'un l'a fait. Moi, j'encourage les gens par contre à mailler leur PBN si vraiment ils veulent faire ça, ou mailler leur site externe s'ils veulent faire ça, à faire de la sémantique de label, et puis ils peuvent faire ensuite des liens si j'estime que c'est utile, après que leur propre site ait été maillé. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de contenu, s'il n'y a pas de maillage, leurs liens ne valent pas grand-chose. Donc un lien qui tombe sur une page qui n'est pas maillée, c'est un lien perdu. Franchement, je le dis comme je le pense. Il faut à tout prix que le lien atterrisse sur une page où, au moment où le lien est détecté par Google, il y a du contenu pour que le lien soit coloré et que Google mémorise cette colorisation. Et qu'ensuite, ce lien, par le maillage, soit distribué à d'autres pages pour revenir vers lui ensuite. Donc il faut à tout prix que quelque part ça injecte sur un système et pas sur une page. À partir du moment où vous faites ça, pourquoi pas faire des liens en cas de besoin? Mais déjà, travailler votre site, c'est déjà pas si mal. De toute façon, les liens, ils peuvent arriver aussi comme ça, contrairement à ce qu'on pense. Si vraiment le site est bien fait, il y a quand même quelques liens qui arrivent. On ne peut pas dire que y a personne fait de lien naturellement. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas, ce que j'ai connu, moi, il y a 20 ans, la découverte du Far West, c'est-à-dire la découverte de la conquête de l'Ouest, le web, vous faisiez le tour en 3 jours. En 3 jours, vous faisiez le tour du web avec des modems. Bon, c'est fini ce temps-là, hein. Donc effectivement, dès qu'un type arrivait avec un site un peu sympa, un peu rigolo, un peu détonnant, il faisait l'étonnement de tout le monde et tout le monde faisait un lien vers lui. Donc à l'époque, ça avait un sens. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait le même et c'est vrai que bon, les liens existent moins facilement qu'avant, mais ils existent encore. Et quand on en chope un, il a peut-être plus de valeur qu'avant, parce qu'il est, si vraiment vous chopez un lien à partir d'un
d'un spot comme Le Figaro simplement parce que vous avez dit quelque chose de sympa, eh ben, moi j'en ai des liens qui viennent de spots comme ça, et j'ai rien fait pour aller le chercher, je ne l'ai pas payé, hein. Ils sont venus, naturellement. J'ai même des cocons qui ont reçu des liens de ce genre de site. Et le journaliste a découvert quelque chose qu'on disait à un endroit, dans une des pages du cocon. Il sait pas, il n'a pas cherché à savoir si c'était un cocon, c'était une page de cocon ou pas. Il a trouvé ce qui était dit sympa, il a fait un lien. Voilà, ça existe encore. Par contre, l'article n'était pas trop mal écrit pour une fois. Je dis pour une fois parce que le restant du cocon n'est pas terrible. Tu peux me contacter. Ouais, bon, ça, vous faites votre sauce ensemble, hein. Un peu secours, j'espère. Alors, le cocon progressif, ben, c'est une demande, hein. Ça existe depuis le début, hein, sur cocon, c'est ça. Mais il faut. C'est pas marqué à un endroit cocon progressif. Il faut juste bien savoir ce qu'il y a sous le capot. Donc ça, je vous l'expliquerai. Vous voyez, ça fait partie des choses que je ne peux pas vous expliquer par écrit. Si je fais une chronique quelque part ou un billet quelque part, personne ne va rien comprendre. Donc, si je vous explique comment ça marche, je vais vous le montrer en vidéo, en live. Si vous, il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous allez me demander. Et au final, ça va vous sembler clair. Et si vous ne comprenez pas, vous allez revenir sur la vidéo, réécouter, et au fond, vous finirez par comprendre. C'est le genre de choses que je ne peux pas expliquer par écrit. C'est pour ça que ces lives sont intéressants. Parce que voilà, ils permettent d'aller un peu plus loin finalement que. Voilà, bon. Alors, plusieurs cocons circulaires, bah oui, voilà. Si le site est uniquement composé de contenu, j'ai un blog, le cocon prendra toute la place. Bah, ça dépend de la taille du blog, ça dépend de la taille du cocon. Hein. Bon, maintenant, encore une fois, si tu as déjà un site avec plein de pages, tu fais plutôt un cocon circulaire. Sachant que le cocon circulaire est une façon de vendre le maillage circulaire. Hein. Vous avez compris que c'était un petit peu une boutade. Si on rajoute, en fait, on transforme un maillage en cocon avec un clic. Mais au départ, c'est avant tout un maillage circulaire. C'est-à-dire, c'est une tournante qu'on fait. On fait des parcours dans le site qui vont intriguer Google et du coup, il va faire monter toutes les pages. Toutes les pages du site vont monter. Et si là-dessus, on rajoute un lien all-in vers une des pages, cette page-là va venir aspirer tout ce qu'on a aggloméré comme jus et va pousser la page qu'on veut. Et donc, ça se transforme en cocon. Mais au départ, ce n'est pas un cocon circulaire, c'est une façon marketing de le vendre. Mais en réalité, c'est un cocon sémantique puisqu'il y a plein de sémantiques autour et puis que ça vise à renforcer le poids d'une page en particulier. Donc, à ce titre-là, c'est un cocon, mais ça ne ressemble pas à un silo. Et au départ, c'est fait pour du maillage. Petite subtilité, mais tout de même. Alors, a été filtré, je remets mon. Oui, bon, c'est pas pour moi ça. Attends, les types, ils échangent des plans dans le chat. Non, mais j'y crois. Ouais, mais faut pas me plaindre, je suis trop sensible à ça. La valeur que tu apportes gratuitement, c'est fou. C'est pas totalement gratuit, si tu achètes plein de métamo, je vais pas te. Mais enfin, en même temps, tu peux très bien faire tes cocons tout seul, ou ailleurs, hein, c'est transposable jusqu'à une certaine mesure. Et puis, voilà, oui, il est parti gratuit, mais bon, il s'en fout en même temps. Il y a les ordinateurs qui tournent pour moi, et si je fais rien, ouais, c'est bien connu. Alors, c'est par rapport au fait que tu disais que le cocon ne doit pas être plus gros. Voilà, ben j'ai répondu après. Donc, effectivement, un cocon doit toujours être plus petit qu'un site. Alors, ça, au début, c'est pas clair mathématiquement, je vous avouerai. C'est plutôt un constat a posteriori qui s'est vérifié un nombre de fois incalculable. Les quelques fois où les cocons n'ont pas marché, ou pas assez, on va dire plutôt, ou pas sur la bonne page, c'était pas lié à des. Parce qu'il n'y avait pas de table de matière, ou parce que les articles n'étaient pas intéressants, ou parce qu'il y avait des erreurs de maillage, c'était dû le plus souvent à la taille du cocon par rapport à la taille du site. Alors, on s'est posé la question pourquoi? Parce que mathématiquement, il n'y a rien qui l'explique. On pense que c'est simplement une question de signal envoyé à Google. Si on doit parler que de Google, on pense que c'est lié au fait qu'ils se rencontrent. Que quelque part, il y a quelque chose qui est arrivé qui n'est pas classique pour un site. C'est tout ce que je dirais là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il est considéré comme un spammy, mais il est plutôt valorisé comme des pages mal fagotées plutôt que comme un cocon, on va dire. Curieusement, si on fait un cocon de 40 pages sur un site de 100 pages, il va très bien marcher. On le fait directos dès le départ, sans que les 100 pages existent, il marchera moins bien.
Et voilà, c'est comme ça. Indépendamment du fait qu'effectivement, il y a plus de pages qui font un lien vers la table des matières. Ça, on s'en fout. Le fait est que ça joue, mais ça joue pas dans de telles proportions. C'est un constat, voilà. Donc, moi, j'ai pas une explication totale là-dessus. Mais bon, dont acte, hein. Je pense que personne n'a la chance, personne n'a fait autant de cocons que nous. C'est une vraie usine à cocons ici. Non seulement on en fait quelques-uns pour nos clients, mais on n'a pas trop le temps. Mais en plus de ça, les gens qui servent de cocons et ça, il y a 3000 clients, je crois, y compris des grands comptes, il y a vraiment beaucoup de monde. Donc on a quand même un recul sur les choses. Et effectivement, le fait est que ça, c'est un critère. C'est comme ça. Voilà, donc dont acte. Je dirais qu'à la limite, on pourrait donner d'ailleurs d'autres informations sur un certain nombre de choses qu'on a repérées dans les signaux, mais qui ne font pas l'objet de choses encore aussi bien évidentes et qu'on saurait encore moins expliquer sans doute. Mais une partie une partie, pas tout, mais une partie de ce qui a déterminé ce que j'allais mettre dans le. La chronique, comment Google détecte-t-il une page de qualité ou un contenu de qualité, je sais plus comment je l'ai, ou qu'est-ce que la qualité pour Google, je sais plus comment j'ai formulé ça, dans le journal du net, vient de mes propres observations de ce que les gens faisaient et de ce qu'on leur proposait et des résultats qu'ils obtenaient. Donc en rétro-ingénierie de ce qu'eux-mêmes ont fait chez nous, on se connaît de notre partie, on regarde ce qu'ils font. Alors on n'a pas toujours le nom des sites, on ne demande pas aux gens. Mais parfois ils nous demandent, et parfois ils nous le signalent, ils nous disent voilà, j'ai fait ça, bon. Et donc on regarde, et puis on sait aussi passer nos crawlers pour savoir qui fait les cocons, même par la concurrence, ou par eux-mêmes, et on sait quand même détecter les facteurs. Et je peux vous dire que ce qui est mis dans la chronique, dans le journal du net, c'est véritablement, je donnerais mes deux mains à couper, quoi. Parce que ça se reproduit trop de fois, quoi. C'est pas un hasard. Donc regardez bien ce qu'il y a dedans, je ferai une vidéo là-dessus. Mais normalement, ça vaut de l'or, par contre. Parce qu'il n'y a personne qui en parle. Par contre, il y a de quoi se fâcher à toutes les plateformes de texte qui est du marché. Hein. Parce qu'il n'y a personne qui écrit comme je. Qui évite les pièges que j'ai listés dans cette chronique. Ça les emmerde de faire attention. Eux, ils sont habitués à bourriner. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu as répondu à la question concernant la façon d'ouvrir et de refermer la tournante. Mais la tournante, elle se referme d'elle-même. Ou elle se referme pas, peu importe. Tu appuies sur un seul bouton et le logiciel te débrouille. Tu rentres tous tes métamots, tu appuies sur un bouton. Alors là, pour le coup, c'est plus simple encore qu'un cocon. Tiens, si vous voulez voir une tournante, je reprends bien que le live d'aujourd'hui soit pas. Ouais, attendez. Je vais essayer de retourner en arrière, c'est pas dit que ça marche. Parce que j'ai un compte debug, donc c'est lent. J'ai plein de trucs en PHP qui apparaissent en dessous que vous n'allez pas voir. Oh, Léon. J'ai Restream qui me félicite parce que j'ai reçu plus de 100 messages, Léon. Ben ouais, moi j'aimerais en avoir 1000, quoi. Bon, manifestement, ça ne veut pas y aller. Donc, je vais y aller par là. Ça va être très long, hein, vous n'allez pas sauter, le temps que ça charge. Mais dans le pack où on est, on appuie sur un bouton et ça fabrique la tournante. Alors, ça peut fabriquer plusieurs tournantes s'il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais elle se referme si elle peut se refermer et y a rien de spécial à faire. Ça dépend de vos métamots, de la possibilité de se poster, de se propager. L'idéal sur le papier. C'est quand elle se referme. Mais ça dépend tellement de tes sujets. C'est comme les cocons. Tu mets 200 sujets, ils calculent les métabos. Tu voudrais faire 150 pages, mais malheureusement, il n'y a pas 150 pages qu'on peut mettre ensemble. Il n'en fait que 120. Bon, ben voilà. Donc ça dépend véritablement. Sachant que sur la fin, comme je le disais, il essaye quand même de fermer. C'est pas grave qu'on ait 7 en rediff, ils sont 600. C'est pas grave. Hein? En fait, en live, bon, apparemment, ça ne veut pas charger, il y a pas assez de bande passante. En rediff, il y a énormément de monde.
Oui, puis ça va, ça vient. Bon, j'ai choisi un horaire où il n'y a personne. Hein. Voilà. Et puis, c'est diffusé sur YouTube, c'est diffusé, c'est pas là où il y a le plus de monde, c'est diffusé sur Periscope et c'est diffusé sur Facebook. Donc, il y a trois streams. Donc, il faut faire le calcul de ce qu'il y a à gauche, à droite, en totalité. En réalité, vous êtes 12, si, d'après ce qu'il dit. Mais 12 à l'instant T, c'est un classique, hein, des streams à cette heure-là, les gens ils mangent, mais ils viendront après. Il y a plein de gens timides qui n'osent pas poser des questions, mais qui profitent des questions des autres. Donc voilà. Donc sur un site de 1000 pages, on scrolle un site et les métamodes de la tournante se calculent. Alors oui, site et title sont pas débiles. Enfin, je dis ça entre guillemets, c'est-à-dire site et title veulent dire quelque chose. Par exemple, tu mets contactez-nous, tu vois que d'un point de vue sémantique, on peut mieux faire. Par contre, contacter la direction, contacter pour une vente la société machin pour un renseignement sur tel produit, par exemple. C'est déjà un peu plus parlant, c'est déjà un peu plus exploitable pour un outil comme Google. Tu mets un peu de sémantique autour, tu as déjà quelque chose d'un peu plus fort. Voilà. Ou si tu mets, par exemple, j'ai beaucoup de clients qui sont avocats. Et quand ils mettent un formulaire de contact, ils ne mettent même pas leur adresse. Enfin, ils mettent leur adresse, mais bon, c'est pas. Il n'y a pas de microdata dedans, il y a très peu de choses. Alors qu'ils mettraient à cet endroit-là un petit peu d'informations, ce que c'est qu'ils ont, leur spécialité, dans le formulaire de contact. Il faut bien, on est one page. Hein. Ils mettraient un petit peu de blabla. Sur là où on peut se garer, etc., etc., tout ça avec des microdata et autres, ben, avec du texte autour du formulaire de contact, ça marcherait déjà beaucoup mieux, rien que ce formulaire de contact. Mais il ne mettrait plus « Contactez-moi ». Il mettrait « Contactez votre avocat en ceci, maître machin truc ». Voilà, c'est déjà autre chose. Pour peu que Google connaisse le nom de l'avocat, il va favoriser le positionnement de la page et le poids de la page indépendamment du positionnement de la page. C'est-à-dire même une page contact est intéressante parce que plus vous avez de pages qui se positionnent, plus votre site a de valeur. Et donc, faut pas se dire, moi, j'ai rien à foutre que les gens que d'être premier sont contactés un avocat, j'en ai rien à foutre. Bon, si tant est que ce soit vrai. Et si c'est important parce que vous avez une page positionnée, et ça compte pour Google, plus vous avez de pages qu'il arrive à faire monter en tête, plus votre site a de valeur. Voilà. C'est pour ça que les cocons, d'ailleurs, sont très intéressants. Parce que les sujets sur lesquels ils vont être souvent bien placés, voire en première page et en première place. Donc du coup, c'est autant de pages qui sont en numéro 1 sur quelque chose qui vont booster la tête. Et ça, aux yeux de Google, ça a une valeur sans nom. Réfléchissez à ça. Indépendamment du volume de recherche, vous êtes premier sur la requête que vous défendez sur une page. Même si elle est tapée 10 fois, on s'en fout, mais vous êtes premier. Et ça, quand vous êtes tout un cocon fait comme ça, même si ce n'est pas des gros volumes, vous avez une pertinence dans chaque domaine, chaque sujet que vous avez énoncé, vous avez la pertinence qui va bien. Et donc cette pertinence, vous allez la faire hériter à la page suivante, etc., jusqu'à la tête. Et vous donnez une couleur au cocon qui est très sympathique dans les faits. Voilà. Mais que des pages. Alors, je reprends les messages. Sur un site de 1000 pages, on se rame, que des pages d'articles. Alors, la tournante sémantique, effectivement, je l'ai montré avec des pages d'articles, mais on peut parfaitement la faire sur les hauts de catalogue. C'est-à-dire, on peut faire une tournante. Alors, on ne peut pas faire pour autant un cocon circulaire, mais on peut faire une tournante sur les catégories sous-catégories. On prend toutes les catégories d'un site. Alors, par contre, on ne mettra pas vêtements hommes. Mais choisir un vêtement pour les hommes, par exemple. Ou un vaste changement. On va essayer d'être un peu plus sympa dedans. Et on va calculer toutes les catégories, les sous-catégories, et on va mailler tout ça. Et là, effectivement, ça donne beaucoup de punch. En général, les gens qui sont trois deviennent un, en gros, statistiquement. Voilà, donc c'est toujours bon à prendre quand on a fait tout le restant du boulot. Et ça a l'avantage de répartir tout le poids. Donc toute la force du site va monter. Donc dès que vous avez un billet de blog qui va faire un lien vers le catalogue,
immédiatement et à tout qu'on profite, quoi. Donc effectivement, le cocon circulaire s'est fait plutôt pour utiliser son blog pour pousser une page marchande ou autre chose, une page qu'on a envie de pousser. Le maillage circulaire, sans l'effet boost à la fin, vers une page donnée, c'est utilisable partout. Par contre, on va essayer de la mettre dans une zone du site particulière. On va choisir soit le catalogue haut de catalogue, hein, la partie catégorie sous catégorie. On évitera peut-être les produits pour des questions d'ancienneté. Hein, un produit, il n'a jamais une vie éternelle, alors que les catégories peuvent l'avoir. Et on va choisir, si on a fait un dossier juridique ou sur le crédit d'impôt, je ne sais pas trop quoi, qui est valable durablement, on va faire un maillage circulaire là-dedans. Et on va chercher les endroits où on peut faire des maillages. Et à la limite, si on a deux catégories tellement distinctes sur le site qu'on ne peut pas les mettre ensemble, on fera deux tenantes. Une pour la première catégorie, une pour la deuxième. Donc la tenante, en fait, peut s'utiliser partout où il y a des choses qui peuvent aller ensemble. Ensuite, le transformer en cocon, là, c'est effectivement dans le blog. Je croyais que Google regardait les pages indépendamment les unes des autres et qu'il n'y avait pas de notion de domaine jaloux. Je n'ai pas dit ça. Mais par définition, la sémantique se transmet dès lors qu'elle est dans le texte. Et donc, ta pertinence et ton autorité de chaque page, quelque part, elle est transmise aux pages qui sont liées dedans. En gros, c'est une sorte de trust, si tu veux. Il ne voit pas le domaine, mais il voit les pages liées à la page où il est. À la page N, il voit toutes celles qui sont à N plus 1. Il va transmettre cette autorité, il va regarder si c'est pertinent que tu aies fait un lien ou pas. Et puis, du coup, ces pages vont avoir une certaine autorité. Et à leur tour, ces pages vont en lier d'autres qui bénéficieront du même effet. Donc, à la fin, ça ne revient pas à dire que le domaine a une valeur. Ça veut dire que les pages que tu as liées entre elles, bah, bénéficient chacune de l'autorité de l'autre, à voisinage proche. Hein. Et de fil en aiguille, bah, voilà. Alors voilà, je ne sais pas si c'est plus clair, mais effectivement, le domaine en lui-même, le nom de domaine n'a aucune valeur. Enfin, il en a une parce qu'éventuellement, tu as un mot-clé dedans, mais bon. Voilà. Voilà. Bon, on a été long ce soir, hein. 20h40. Ouf. Donc, ben voilà. Donc, y a-t-il encore d'autres questions parmi les 13 personnes qui sont là, tout flux confondu? Faut en profiter, dans 5 minutes je ferme. Je vais tirer le rideau. Bon, ah voilà. Bon, de toute façon, il y en a pour un an, hein, donc au minimum. Donc, vous n'êtes pas prêts à voir le bout. Hein. Ouais, il y a des choses à dire. En fait, j'avais classé j'avais des tas de sujets d'articles, et puis il y a l'inconvénient que l'article oblige à lire, oblige à réfléchir pas mal, plus qu'une vidéo finalement. Et se rappeler de ce qui a été dit, de ce qui a été écrit, par contre, est plus difficile de se rappeler ce qui a été dit. Parce qu'au moment où vous écoutez quelqu'un d'autre parler, ou dire que vous le rapprochez de ce qu'il a dit juste avant, de ce qu'il a dit juste après, il y a un contexte qui va avec, qui vous facilite la mémorisation. Et donc, c'est plus facile de quelques années après ou quelques mois après, de remettre les morceaux ensemble et de bien comprendre les choses que par écrit. En plus, comme j'écris de partout, il faut déjà lire tout ce que j'ai mis à gauche et à droite, car j'écris pas à un endroit particulier. Voilà. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, les amis, donc bonjour Vianne, en fait, hein, qui vient juste d'arriver. Bonjour moi. Ah, comment ça, j'ai pas répondu? Alors attends, je vais essayer de retrouver ta question. Toutes mes excuses, moi, j'aime beaucoup parce qu'on voit dans tous les lives, moi, on sait personne de qui c'est. Ah, j'ai un salut. Bon, ça ne doit pas être ça. Alors attends, est-ce qu'il y aura entre les deux? Est-ce que salut, c'est pas une question? Ah oui, j'ai. Ah ben non, j'ai pas. Moi, tu veux la reposer ta question? Je la trouve pas dans le chat.
je ne donne pas de certification, monsieur Gabin. Je dis des choses et vous prenez si vous voulez, vous prenez pas si vous voulez pas. Vous avez votre juge arbitre, vous avez vos propres constats, vous regardez ce qui se passe, vous comparez à ce que je dis ou pas. Voilà, c'est en libre service. Bon, ben voilà, oui, c'était une blague, apparemment, ouais. Parce que moi, il dit plus rien. Bon, eh ben écoutez. Donc, on va s'arrêter là ce soir, les amis. Je vous souhaite une bonne soirée à vous. J'espère que vous trouverez quelque chose à regarder quelque part, c'est pas gagné. Ou bien allez vous promener, on peut encore peut-être dans certaines villes, je sais pas. Nous ici, c'est la Cambrousse, donc on peut se bouger, on peut sortir, mais je sais que nos amis des grandes métropoles ont des petits soucis quand même pour mettre le nez dehors. Ah, tiens, moi, sur un site e-commerce. Alors, vas-y. Si, je suis là, oui. Moi, c'est un peu le mec qui laisse son doigt, qui dit moi. Alors, sur un site e-commerce, vas-y. Tu devrais démarrer par et moi en fait. Alors il est sur Periscope moi. Hein. Donc si vous n'êtes pas sur Periscope, je crois que vous ne le voyez pas. A bientôt Cédric. Lui qui est sur YouTube. Bon, ben je sais pas. Bon, je ne sais pas si moi tu poses la question ou pas, mais on ne va pas faire attendre tout le monde. On va arrêter là pour ce soir. Au besoin, moi tu gardes ta question, tu la poseras la fois prochaine. Hein, mais tu la poseras au début, parce que là, je ne l'ai pas trouvée. Voilà, à bientôt tout le monde. Bye bye.